Mesdames et bonjour, merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez, c'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Tous les matins de 10h, de lundi à vendredi à partir de 10h, vous avez rendez-vous avec les démineurs. Les démineurs qui vous donnent l'information, rien que l'information et toute l'information. Ce matin, le triptyque n'a pas changé. Nous irons en faire un tour du côté des kiosques avec Théophile Vianney Biya, TVB. Il nous livrera la quintessence de l'information parue de ce côté-là. Bernardo Basson marquera, comme d'habitude, un arrêt pour la dénonciation du jour. Cette dénonciation qui monte et qui gagne tout simplement en esprit et surtout en puissance. C'est un fait de société et qui vous énerve. Mais nous, nous avons le courage de le poser sur la table des débats. Si vous en avez convenance, on terminera par ce que nous appelons ici l'instant de l'analyse et parlant justement de cette analyse ce mercredi au Cameroun. Nous nous appesantirons sur les vacances. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en période de vacances au Cameroun. Écoliers, élèves et étudiants sont tout simplement en vacances. Que pensez-vous des vacances dans un contexte purement camerounais? En d'autres termes, comment passer des vacances sans déviance? C'est la problématique principale de nos échanges ce jour. Si vous nous regardez au canal 307, sur Canal Plus International, sentez-vous privilégiés. Et on commence par accueillir nos invités ce matin. Je commence à ma gauche avec Jean-Paul Ebolekin. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tout le panel. Comment vous allez? Je vais très bien et je suis très content d'être ici dans ce joli plateau et surtout avec vous en face. Vous savez, vous nous avez beaucoup manqué, donc c'est un plaisir pour tout le fan club qui est à la maison. Ils ont dit, vous allez voir, parfait, félicitations. Parfois, si c'est bien de manquer un peu, hein, il faut également regarder les autres faire. Lorsque vous avez longtemps joué, mettez-vous aussi un peu de côté, regardez les autres jouer. Maintenant, il peut arriver que vous découvriez qu'il y a des excellents joueurs, tout comme il peut arriver que vous disiez que le niveau est catastrophiquement bas. Tout à fait, il faut parfois prendre des pauses, mais je peux le dire, vous avez bien fait de faire une pause, parce que quand vous êtes en retrait, vous découvrez des nouvelles personnes, vous avez de nouvelles options. Quand vous revenez plus fort. Et je pense que vous avez vraiment réussi ce pari de revenir encore plus fort pour cette télévision qui ne cesse de monter en audience. Vraiment bravo à tous. Merci Jean-Paul. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que vous êtes chercheur en sciences politiques, option relations internationales. C'est exact. Nous nous appesantissons sur les nouvelles manières de faire de la politique. Nous travaillons actuellement sur la possibilité d'intéresser les jeunes au débat politique à travers des contenus qui sont beaucoup plus adaptés dans les réseaux sociaux. Vous voyez, quand les jeunes sont en vacances, ils sont dans TikTok. Mais maintenant, pourquoi ne pas retrouver des contenus politiques dans TikTok? Nous essayons de travailler dans ce sens. Ça me permet de faire un clin d'œil au ministre Jean de Dieu Momo, qui est un grand concepteur de la science politique traditionnelle. Vous vous souvenez de son anecdote sur le partage de la viande dans la réunion familiale. On se souvient bien. Exactement. Donc, je lui fais un grand hommage aujourd'hui.
Et je continue à aller dans ce sens. Il faut faire intéresser la politique à la jeunesse camerounaise. Jean de Dieu Momo, monsieur le ministre, a inventé une nouvelle discipline, hein, la science politique traditionnelle. Tout à fait. Alors, je vous pose quand même une question, hein. Vous qui vous occupez, entre guillemets, des jeunes, avez-vous l'impression, les jeunes vus du Cameroun, que ces derniers s'intéressent de plus en plus à la chose politique, ou alors c'est tout simplement le contraire? Non, on observe quand même une évolution. Il y a des jeunes qui s'intéressent, hein. Il y a de plus en plus des débats. Il y a des sujets que, lorsque vous abordez des sujets, les jeunes trouvent quand même quelque chose à dire. Donc, je pense qu'il faut maintenant qu'ils ne restent pas seulement au niveau de l'engagement, qu'ils puissent de l'écouter. Il faut qu'ils puissent prendre une certaine participation. Et pour cela, il faut travailler avec eux. Nous en profitons pour des périodes de vacances comme celle-ci, pour les inviter à un certain nombre d'initiatives, pas seulement chez eux, mais à travers d'autres organisations qui peuvent se faire en live et pourquoi pas dans les plateformes qu'ils utilisent plus régulièrement comme TikTok, Facebook. À travers cela, nous allons contribuer encore à relever leur niveau de compréhension de ces activités. Et c'est ça aussi la nouvelle donne de la science politique que nous essayons d'implémenter sur le terrain. Les jeunes doivent s'intéresser à la politique. D'ailleurs, quelqu'un nous faisait comprendre, hein, que si vous ne faites pas la politique, elle vous fera. Patrice Soror, bonjour. Bonjour, Pavel, ici. Comment vous allez? Assez bien, nous sommes à l'attente des résultats aux examens de fin d'année scolaire. Nous avons déjà publié les résultats du Du BPC, du BPC. CAP. Nous sommes à l'attente des résultats de l'OBC, à savoir le baccalauréat qui est imminent, le probatoire dans les prochains jours. Nous osons croire que nous n'aurons plus cette affaire de paiement des frais de correction du côté de Non, l'OBC. l'OBC a véritablement tenu compte à ses engagements. Cette année, il n'y a pas de problème de paiement. Je Peut-être qu'il y souligne, a des oui. arriérés de l'année 2022, mais pour l'année 2000, la session 2023. Pourquoi il y a des arriérés? L'argent n'avait pas Bon, été là, débloqué. je ne suis pas gestionnaire de la structure, je peux pas donner Mais des. vous êtes quand même un cadre des Oui, enseignements bon, secondaires. ce que je fais particulièrement, c'est la collecte des dossiers, le traitement de Vous ne ces vous dossiers occupez pas de et la l'argent. transmission de ces dossiers à l'ADEC et à l'EBC. Voilà le travail que je fais. Maintenant, en ce qui concerne les corrections, bon, j'ai aussi des informations qu'on vous des collègues. Mais ce que je sais globalement, c'est que la session 2022 n'a pas été épurée. Et nous voulons savoir pourquoi elle n'a pas été épurée. Bon, vous êtes des journalistes. Vous pouvez vous rendre à la direction de l'OBC, rencontrer monsieur le directeur. Monsieur Minkoulou. Monsieur Minkoulou. C'était un grand ami avant. Hein. Ah, voilà. Je souligne que Patrice Soroc est justement enseignant de formation. Il est cadre au ministère des enseignements secondaires, mais il n'est pas là en tant que cadre au ministère des enseignements secondaires. Il est surtout là ce matin en tant que pédagogue. Merci d'être là. On va accueillir Bernardo Basson, l'intrépide de la dénonciation. Bonjour Bernardo. Bonjour, le Bandioc de Kouta, de Djaro, de Sac, Sac de la modération. Merci de m'avoir invité nouvellement ce matin, c'est un plaisir renouvelé. Bonjour à tout le peuple Bassa, indistinctement, et à tout le peuple Babimbi, spécifiquement. Bonjour à. Vous savez que je suis le père de tous les enfants. Donc, oui, moi j'ai une trentaine d'enfants. Donc, je vais dire bonjour à un qui passe actuellement ses vacances du côté de Bafou, dans la région de l'Ouest. Il s'appelle Joël Rousseau Kemda. Il nous regarde certainement ce matin. Je lui adresse un bonjour particulier. J'adresse également un bonjour spécial à Jean-Paul qui est à ma droite, parce que pendant qu'on échangeait dehors, on s'est découvert un lien en commun. En fait, il a un frère qui était mon ami, qui était un grand ami au lycée et à l'université, et qui s'appelle Nsomoto Njeng, Henri Landry. Bon, aujourd'hui, on n'est plus très proche pour des raisons très particulières, qui ne sont vraiment pas graves, mais qui sont particulières. J'espère que ce n'était pas une femme qui était au centre de la discorde. Absolument pas. Ah, C'est d'accord. qu'une Nsomoto a la langue très fourchue. Donc, il est généralement. C'est qu'il y a deux ou trois choses qui divisent les amis Voilà, non, non, et non. même Il les hommes. est très taquin, il est très violent verbalement et personnellement, c'est des comportements qui me révulsent systématiquement. Donc, voilà pourquoi Mais c'est rien de vraiment très profond. Ça reste quelqu'un que j'ai beaucoup aimé en tant qu'ami, donc je lui passe le bonjour aujourd'hui. Il est le frère de Jean-Paul, il est policier aujourd'hui. C'est mercredi, c'est la journée internationale, Voilà, je crois. nous sommes le 12 du mois de juillet. Alors, c'est une journée internationale qui s'est complétée avec le temps.
au départ, c'était la journée internationale de la jeunesse. Voilà, le 12 juillet de chaque année. Mais aujourd'hui, c'est la journée internationale des compétences de la jeunesse. Vous voyez donc, l'ONU a fait muer la pensée et la problématique afin de suggérer aux jeunes de profiter de leur espace jeunesse pour affiner, affûter, peaufiner et régler leurs compétences. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes passent plus de temps à se distraire qu'à se former. On peut même aller dans une statistique personnelle de 70% de distraction, 30% de formation. Pourtant, on devrait avoir l'inverse pour un jeune qui est ambitieux. Donc, l'ONU a pensé qu'il fallait, pour les jeunes intégrés, qu'on a toujours le temps pour se distraire, mais pas toujours le temps pour produire. Donc, il fallait que les jeunes affinent leurs compétences, deviennent de plus en plus très érudites et confirmées afin de pouvoir construire une société meilleure. La journée internationale des compétences de la jeunesse. Merci. Hein. Bien des choses à tous les jeunes compétents du Cameroun. Dieu seul sait et qu'ils sont nombreux. Ah oui. Contrairement à ce que les gens disent souvent, oh, les jeunes au Cameroun sont feignants, ils sont paresseux. Mais moi, je connais des jeunes au Cameroun qui sont d'une compétence à nulle autre part. Il y en a. Chapeau à cette classe des jeunes. En face de vous, on accueille le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul et qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. Il s'agit de Pierre Blériot Niemek. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici et bonjour à votre panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs, particulièrement à Madame Edwige, ma grande belle-sœur qui m'a offert le petit déjeuner de ce matin. Ah. Voilà, donc je lui dis merci. Ta grande belle-sœur. Ma grande belle-sœur. Qui t'a offert le petit déjeuner de ce matin. Vous entendez très bien. Oui, je m'entends bien avec mes belles-sœurs. Chez nous, les belles-sœurs sont également vos épouses. Pas pour le lit, quoi. On n'avait pas mis circonscription. Hein. Non, elles sont vos épouses symboliques. Alors, c'est un autre débat. C'est un autre débat. La citation de ce jour. La citation de ce jour, il faut y faire attention. La voici. Le diable, lui aussi, vante l'enfer. Toute propagande n'est pas la vérité. Oh là là. Attends, reprenons la citation. Le diable, lui aussi, vante l'enfer. Toute propagande n'est pas la vérité. Alors, on peut expliquer en quelques mots? Bien évidemment, on peut vous vanter des choses très dangereuses. Puisque le diable aussi vante l'enfer. Donc, ne croyez pas que parce qu'on vous dit que c'est bien, c'est beau, il faut venir, il faut adhérer. Que c'est forcément bien. Que c'est bien. C'est tous les marketeurs. Voilà. Donc on peut vous vanter l'enfer. Le diable lui-même vante l'enfer. Il dit par exemple aux gens que bon, vous savez, au paradis ce sera triste, là-bas on ne boit pas. Et puis, ici, là-bas il n'y a pas les boîtes de nuit. Ainsi de... Alors que chez moi, vraiment c'est la fête à n'en plus finir. La continuité, la fête sur terre. Voilà la continuité. Au paradis c'est triste, quand vous arrivez là-bas, vous trouvez les chants, les gens chantent du matin au soir, vous serez fatigué. Mais chez nous ici, mais c'est dangereux. Donc, beaucoup de personnes se sont livrées à certaines activités, ont appartenu à certains groupes parce qu'on avait vanté ces choses-là. Merci. L'une des choses qu'on vante ces derniers temps auprès de la jeunesse, ouais. Et je veux dire à la jeunesse, parmi les compétences qu'elle doit développer, elle doit absolument éviter les compétences liées au LGBTanisme. Voilà. Voilà l'une des compétences qu'on vante aujourd'hui. On les vante constamment. On dit que ceci est bien, vraiment, quand vous appartenez à ci ou ça, vous êtes bien. Non, ce n'est pas tout ce qu'on vante qui est bien. Ce n'est pas tout ce que l'on vante qui est bien. Lorsque nous avons dit cela, nous allons tout simplement prendre notre premier verre d'eau. A tout de suite pour la suite.
Théophile Vianney Biya, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre panel ce matin. Bonjour également à tous les téléspectateurs que je retrouve fièrement ce jour. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous sur ce plateau. Et Théophile Vianney Biya, c'est l'homme de la revue de la presse sur Info TV. Tous les matins, lorsqu'il est 6h45, il est là pour cet exercice. Il remet cela tous les jours à partir de 10h. TVB. Que disent les journaux? Actualité économique, actualité politique et même actualité sur le plan de la société. Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin en parlent. Et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin de Dieudonné Mvang qui parle donc de gestion durable des déchets. Kecha Courtès implémente le modèle rwandais. C'est ce que nous dit le journal Info Matin, présidé par la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain. Une réunion d'évaluation de la mise en œuvre du projet pilote Ville Propre et Verte a eu lieu ce 10 juillet à Yaoundé, en présence du représentant du maire de la ville de Douala et certains maires des communes de deux capitales politiques et économiques du Cameroun. La nouvelle de Jacques Blaise Mvier présente Yaoundé comme étant une ville poubelle. C'est la grande une du journal La Nouvelle qui est disponible en kiosque et qui en parle de la page 9 à la page 11. Au bas de une de ce journal, on s'intéresse à l'Assemblée Générale Extraordinaire du JICAM. La cinglante déculottée des dissidents est présentée ce matin et le journal La Nouvelle nous fait savoir que la fusion est bel et bien actée. Assemblée générale de la fusion du JICAM validée, on en parle avec le journal Le Jour d'Aman Mana qui est en kiosque et qui revient également sur la fusion JICAM et CAM avec cette assemblée générale qui a donc validé cette fusion. Les membres de l'organisation patronale ont voté le projet à plus de 73%. L'information est présentée ce matin dans ce journal en grande une. Même son de cloche pour mutation de Georges Alain Boyomou qui s'exclame en disant JICAM et CAM fusionnel. C'est l'exclamation qui barre la grande une du journal Mutation. En page 7, on a donc ces précisions. À une majorité écrasante, les adhérents du JICAM ont ratifié hier le traité de fusion-création. Une nouvelle page s'ouvre donc pour le mouvement patronal au Cameroun. C'est ce que nous dit le journal Mutation. Et si on restait dans cette même actualité, pour prendre à présent le journal Émergence, qui en pied une parle également de cette fusion JICAM et CAM, le oui l'emporte. C'est ce que nous dit le journal Émergence. Le messager n'est pas en reste et le journal de Fepius Njawe parle également de cette même actualité. JICAM et CAM, fusion actée. Cette exclamation est présentée au bas de une du journal Le Messager. L'AG extraordinaire du JICAM, tenu hier, a consacré l'acte de fusion entre les deux entités. Les détails sont à lire en page 10 du journal Le Messager. Ce journal présente également en grande une cette autre actualité, il s'agit de cet hommage rendu à Fepius Njawe. 12 juillet 2010, 12 juillet 2023, tu nous manques. 13 ans après la mort de Pius Njawe, la longue marche du messager dans la jungle médiatique du Cameroun se poursuit contre vents et marées. En page 2, on revient donc présenter ici l'homme qui est donc le promoteur, le précurseur de cette presse. Il s'agit bel et bien de la presse Le Messager, ce quotidien qui est en kiosque tous les jours. La nouvelle expression disponible en kiosque également ce mercredi parle de cette fusion JICAM et CAM. Fusion, absorption, création. Le projet initial de Tawamba est finalement passé au cours d'une assemblée générale très mouvementée avec plusieurs journalistes interdits d'accès au point de presse organisé en marge de l'assemblée générale extraordinaire de cette institution à Douala hier. À Bafoussam, on nous fait savoir qu'un jeune a été abattu par un gendarme. Le drame s'est produit dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 juillet 2023 au lieu dit Carrefour Moulin à Lafé Baleng dans l'arrondissement de Bafoussam 2e. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, parle également du JICAM et de l'ECAM. JICAM et CAM, le choix de la fusion. La résolution a été prise hier à Douala au terme du vote organisé au cours de l'Assemblée Générale Extraordinaire du groupement interpatronal du Cameroun. Intéressons-nous à présent à ces appels téléphoniques ainsi qu'à l'internet mobile. Toujours aussi compliqué. Près de 3 mois après un mouvement d'humeur de certains abonnés suivi d'une concertation entre le ministre des Postes et Télécommunications, les opérateurs de téléphonie mobile ainsi que des sanctions pécuniaires infligées par les régulateurs, passer un appel ou naviguer sans perturbation reste extrêmement difficile. Des experts suggèrent la mutualisation des infrastructures et la mise à jour des équipements, y compris les smartphones des usagers. Expression économique parle également de téléphonie mobile au bas de une. Faible couverture
rupture du réseau à la frontière avec le Congo. Le constat est fait ce matin par le journal de Bertrand Eba qui en parle et qui revient également sur cette actualité. Congel Cam, Foku, Dampulo, Express Union, sale temps pour les opérateurs économiques. Ces capitaines d'industrie subissent des revers et des pertes qui se chiffrent en milliards de francs CFA. Rupert parle également de Congel Cam et le journal présente ici la situation qui règne en ce moment. Du poisson au nom de l'argent roi, 11 conteneurs parmi les 334 conteneurs de poisson pourris stockés par l'importateur congelé du Cameroun au terminal à conteneurs du port de Douala Bonaberry ont été enlevés subrepticement les 13, 14, 17, 27 et 30 juin 2023 par vague de 2 afin de ne pas attirer l'attention pour une destination qui reste inconnue. Le 10 juillet 2023, le ministère de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale, à travers sa délégation régionale du littoral, a saisi le reste des conteneurs pour destruction, soit 323 conteneurs qui ont donc été détruits par le Minepia. Le du Sahel parle du pont de la Mapé, Carrefour, Mvumbam, moins d'un kilomètre réalisé en 10 mois sur ce tronçon. Le constat est fait par ce journal qui présente l'actualité plus amplement en page 3. Extrême Nord, les populations à l'épreuve de la hausse du prix du carburant. Le journal a également fait ce constat du côté de la région de l'Extrême Nord. On parle Sérail avec la primeur de l'Info Plus. Ces grands dossiers qui attendent Paul Biya dès son retour de Genève. Remaniement ministériel, opération épervier, nomination des directeurs généraux et secrétaires généraux des ministères, obsèques du chairman Nijon Fundi. Voilà donc quelques dossiers qui sont présentés par le journal de Jean Lambert et Nyong Belinga, qui nous fait également savoir que du côté d'Awa Escalier, ici même à Yaoundé, un moto-taximan a été brûlé vif. Cette actualité nous est présentée ce matin dans ce journal. Encadrement de la jeunesse, on en parle avec le journal de Jean Cueté. Le journal L'Action nous fait savoir que le RDPC est aux premières loge pour l'encadrement des jeunes en cette période de vacances. Leader presse d'Ambroise Médard Manga nous permet de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Et ce journal parle également de l'encadrement des jeunes, mais cette fois-ci du côté de Bicoque. Fabrication et pose des pavés, une formation pour les jeunes à Bicoque, à lire en page 5. Du journal d'Ambroise Médard Manga, il s'agit bel et bien du journal Leader Press, journal avec lequel nous refermons fièrement cette deuxième partie de la revue de presse sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise, imbattable, indubitable, inattaquable et inaliénable. Reste votre fidélité. Merci de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. 4 pièces de 100 francs suffisent pour avoir votre journal à la maison ce matin. Merci El Perfecto, merci également à votre panel ainsi qu'à nos millions de téléspectateurs. Merci également pour ce travail des titans que vous abattez tous les matins pour informer la grande classe des téléspectateurs. Je vous en prie. Vous le faites avec maestria. Merci, c'est avec beaucoup d'amour que je le fais également. Merci, beaucoup d'amour. Oui. Théophile Vianney. El Perfecto. 19h, 20h, nous nous arrêtons pour l'information tous les soirs sur Info TV. Exact. Un fait saillant à développer. Oui, pour ces deux éditions de journaux, on va s'intéresser à la circulation des véhicules. Hein. On parle donc de ces véhicules qui continuent de circuler sur nos routes, ces véhicules en très mauvais état. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on s'apprêtait à organiser la CAN, il y a eu des communiqués, on a même mis certains véhicules à la fourrière, mais on constate de plus en plus que les vieux véhicules en très mauvais état continuent de circuler. On a même arrêté des fous. C'est ça. On a arrêté même les fous. Ah oui. On a allé les cacher, on a dit que pendant la CAN, pas de fous sur la voie publique. Restons sur les véhicules. Un fou pouvait tamponner Ben Salah. En Sadio Mané. En Sadio Mané. Ce sont des conséquences terribles sur le plan footballistique. Parce que les fous sont imprévisibles. C'est ça. C'est ça. Donc restons sur ces véhicules, El Perfecto, si vous le permettez. Pour dire que ce soir, on va donc s'intéresser à cette actualité pour essayer de savoir pourquoi est-ce que nous avons toujours des vieux véhicules, de très vieux véhicules en très mauvais état même, qui continuent de circuler sur nos axes routiers. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine réglementation qui doit être mise en vigueur? Est-ce que ces derniers ne doivent pas payer des impôts en plus, hein? Parce que véritablement, s'il y a des véhicules qui sont en très mauvais état, qu'on impose un paiement d'impôts en plus, ça va permettre à ces derniers soit de garer leur véhicule. TVB, oui, El Perfecto. Quelqu'un te dira que vous voyez alors, on vous a laissé avec vos gros cylindres, avec l'argent du pays que vous volez. Maintenant, vous venez encore nous attaquer avec nos guimbardes. C'est avec ça que nous nourrissons quand même nos enfants. C'est pas la méchanceté. C'est comme ça que quelqu'un va répondre. Hein? Mm-hmm. Bon,
De toutes les façons, on attend le reportage. On attend le reportage ce soir aux 19h et aux 20h. Vous me permettez, avant de partir, d'adresser mes félicitations à notre collègue Edmond Fautué. Il faut dire que ce jour, il reçoit donc son diplôme de fin de formation en théologie du côté de Douala. Il s'est fait former. voilà. Option sciences religieuses. Incroyable. Voilà, voilà l'option. Et il reçoit donc des mains de Edmond l'archevêque. Fautué, théologien. Oui, oui, oui. Et c'est pourquoi je pose la question. Il reçoit son diplôme de même de l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda. Donc, toutes nos félicitations à ce collègue qui est aujourd'hui théologien. Aussi. Il faut dire que Edmond Fautué, nous nous connaissons depuis sous d'autres cieux. Je suis revenu si je l'ai retrouvé. Oui. Edmond Fautué est un grand professionnel. Mm-hmm. C'est un bon journaliste. Oui. Maintenant qu'il est devenu théologien, on en parlera en off. Oui. L'inspecteur de police de deuxième grade, Serge Ondoa, me demande de vous dire que vous êtes très bien habillé et que vous avez une veste qui coûte très cher. Bon, je l'ai eu du côté de Beijing. Non, El Perfecto va faire sa chose. Non, c'était à Beijing, il y a 4 ans. Oui. À Beijing. Voilà. Merci. J'espère que s'il a besoin de la même veste, il doit aller à Beijing. Je ne sais pas combien il touche par mois, mais bon, on essaiera de voir. Partage, oui. À demain 10 ans. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Ok, deux faits d'actualité nous intéresseront ce matin après TVB. Hein. La nouvelle du très grand frère Jacques Blaise Vier nous fait comprendre ce matin que Yaoundé, c'est une ville poubelle. C'est pas de moi, c'est de Jacques Blaise Vier. Nous avons également le messager d'un autre grand frère, Jean-François Chanon. Ils ont décidé de célébrer le précurseur du messager, Pius Ndiaye, qui nous a quitté il y a exactement, je pense bien, 13 ans. C'était un 10 juillet 2010, un 12 juillet 2010, et nous sommes le 12 juillet 2023. Cela fait exactement 13 ans que Pius Ndiaye était arraché brutalement à la vie. C'était du côté des États-Unis, de suite d'un accident de la circulation. C'est vrai que on a entendu plusieurs choses. Hein. Je commence par notre ami Bernardo Basson. Bernardo Basson, la nouvelle pense que Yaoundé est une ville poubelle. Je ne sais pas pourquoi la nouvelle l'a dit, mais peut-être parce que la poubelle a envahi justement la ville aux sept collines, ainsi de suite. On a l'impression que Bernardo a de quelques soucis, hein, et sera obligé de prendre d'abord l'avis de Pierre Blériot Niemek. Pierre Blériot Niemek, il y a 13 ans que nous quittait Pius Ndiaye, le créateur, le fondateur du journal Le Messager, qui lui-même était un journaliste, mais un journaliste d'un autre style et vocation. Ben, vous avez bien fait de me donner une actualité intéressante. Intéressante au niveau de la... Vous pensez que l'actualité de la nouvelle n'est pas intéressante? Je veux dire que quand on doit parler de Pius Ndiaye, la poubelle de Yaoundé, Yaoundé est poubelle depuis. Quand je dois rappeler ici la mémoire des founding fathers de la liberté de la presse, les pères fondateurs de la liberté de la presse, un homme extrêmement courageux. Quand aujourd'hui j'entends dire, mais tu parles comme ça, tu n'as pas peur de mourir, je comprends que c'est des gens qui n'ont pas connu des gens comme Pius Ndiaye. Si vous avez eu ce genre de mentor, si vous avez admiré ce genre de personne, vous vous inquiétez moins de la manière dont vous mourrez que de l'image que vous laisserez. Ceux qui tuent les gens, par exemple, ne peuvent pas survivre à la mémoire populaire pendant 13 ans. C'est-à-dire que ceux qui ont tué Pius Ndiaye, on les a oubliés déjà, eux-mêmes. S'ils meurent, ils seront jetés dans leur village. Très souvent, ils y vont en hélicoptère. On ne parlera pas d'eux. Pour qu'on parle de vous, par exemple, dans le monde des médias, il faut avoir été un Pius Ndiaye, un Charles Ateba Eyene, ainsi de suite. Ils ne sont pas nombreux. Donc, je m'inscris dans cette longue lignée d'hommes de valeur et de courage. Avant sa mort lui-même, savait Pius Ndiaye a perdu son épouse également dans un accident de circulation. Oh là là. Oui. Droit de coïncidence. Oui, dans un accident de circulation. Comme si le sort s'était organisé contre lui. Mais beaucoup de choses avaient été dites ici et là. Tout à fait. Ce qui est important. Et là, il faut rendre hommage à Jean-François Chanon. Oui. Faire survivre une mémoire, ce n'est pas évident. Nous-mêmes qui nous vantons d'avoir des enfants, vous n'êtes pas sûr, parfois, ici, que si Niemek venait à mourir,
trois ans après, les enfants de Niémek parleront encore de Niémek. Je ne veux pas parler simplement de moi. Victor Hugo disait, quand je parle de moi, je parle de vous. Il y a beaucoup qui ont même laissé des biens à leurs enfants. Les enfants ont tout fait d'enlever le nom de leur père. Incroyable. Sur les biens. Vous verrez que tous ceux qui font la revue de la presse du Messager évoquent Pius Ndiaye et dit journal géré par Jean-François Chanon. La mémoire est restée forte. Ce n'est pas simplement parce qu'il en était le promoteur. Il y a beaucoup de promoteurs qui ont, dont le nom a disparu. Tout à fait. Il faut savoir ce que vous voulez laisser à la postérité. Vous voulez montrer les immeubles que vous avez acquis en prenant de l'argent ici ou là, ou vous voulez laisser une réputation sur laquelle d'autres jeunes puissent se fonder pour construire quelque chose de stable et de constant. Pius Ndiaye, donc, je lui rends un vibrant hommage. Et je souhaite que la nature nous donne d'autres Pius Ndiaye. Et puis voilà quelqu'un qui avait lutté contre les clivages au niveau de la presse, de la communauté. Aujourd'hui, on est divisé. Chacun défend son petit strapontin, son petit bout de pain. Et on ne défend plus la cause commune. Vous voyez qu'on peut convoquer un journaliste dans une brigade, n'importe. On le menace comme un petit garçon dans l'exercice de ses fonctions. Et la corporation, on nous a envoyé un là, Denis Kouébo et tout ça. Vous voyez, quand les gens comme Pius Ndiaye doivent se retourner dans leur Il n'est même plus là-bas. Heureusement qu'il n'est plus là-bas. Donc revenons au grand nom. Kouébo est déjà au niveau de la défense des droits de l'homme. Voilà. Donc revenons au grand nom. Les gens qui resteront dans l'histoire. On enseignera dans les écoles de journalisme lorsque les choses seront beaucoup plus apaisées. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les écoles institutionnelles, les gens comme Pius Ndiaye ne sont pas présentés comme les modèles. Mais il arrivera un temps où on enseignera l'attitude, le travail et le comportement des gens comme Pius Ndiaye comme des modèles à suivre. Merci beaucoup, hein. Jean-Paul Ebolekem. Je présume que vous avez quand même également connu légèrement Pius Ndiaye dans le cadre justement de l'exercice de ses fonctions. Ce grand journaliste fondateur du journal Le Messager, Pius Ndiaye, aujourd'hui cela fait exactement 13 ans qu'il avait été arraché à la vie du côté des États-Unis. Alors, lorsque vous observez quand même la presse camerounaise en ce moment, avez-vous l'impression que nous avons encore des journalistes de la dimension de Pius Ndiaye? Je m'incline devant la mémoire de Pius Ndiaye, qui est quelqu'un que j'ai connu dans ma tendre jeunesse. À travers son journal Le Messager. Tout à fait. C'est quelqu'un qui avait vraiment une qualité assez spéciale en ce qui concerne l'exercice du journalisme. Il avait un ton assez dur. Assez dur. Et nous regrettons vraiment beaucoup sa disparition. Maintenant, à regarder aujourd'hui, est-ce que nous pourrons retrouver des Pius Ndiaye? C'est vrai que ce sera un peu difficile, mais ça peut se comprendre aussi. Je ne sais pas comment est-ce que, à l'époque, hein, la presse s'en sortait. Il y a, comme aujourd'hui, un manque d'organisation de ce secteur. Je ne sais pas si c'est un manque qui est voulu ou si ça arrange certains. Je pense que si nous participons à organiser ce secteur à travers tout ce que vous savez, donc vous avez besoin, vous avez fait les états généraux, vous avez posé un certain nombre des états généraux de la communication. Tout à fait. Toutes les recommandations sont restées lettres mortes. Ça fait aujourd'hui, vous pouvez modestement participant. J'avais été invité à ces états généraux de la communication. Je vous assure, c'était au jour d'aujourd'hui des états généraux pour rien. Vous savez pourquoi on avait organisé ça? Non. Pour que vous vous calmiez et que vous oubliez. C'est l'une des méthodes. Vous vous êtes calmé, vous avez oublié. Quand vous voulez que les gens oublient, organiser un grand dialogue. Il peut être grand du fait de la salle. C'est-à-dire, le palais des congrès, il peut même être large. Un grand large débat. Mais vous n'irez pas bien loin, vous aurez oublié. Jean-Paul poursuit et oui, chutera. Tout à fait, il faut dire aujourd'hui que nous pouvons avoir des bons journalistes formés qui exercent 2, 3, 4 ans, mais au bout de 10 ans, ils auraient vraiment changé parce que l'environnement ne leur permet pas d'aller au bout de leur talent parce qu'il y a certaines contraintes. Vous savez, les télévisions aujourd'hui éprouvent beaucoup de difficultés alors qu'on peut résoudre ces problèmes facilement. J'ai suivi, on a parlé de la publicité. Pourquoi ne pas permettre aux télévisions de pouvoir faire de la publicité de manière équitable, hein? On évitera tout le temps d'aller demander parfois cette aide-là parce qu'avec la publicité,
je pense qu'il y a une... Nous en avons parlé aux états généraux de la communication. Ah, hein. Nous en avons parlé. Oui, parce que à cette... J'étais là. Donc je parle de ce que... J'ai vécu et entendu. On a parlé de cette affaire de publicité parce qu'elle n'est pas équitable. Toutes les grandes publicités vont... dans certaines chaînes, vous suivez mon regard. On a parlé de ce qu'on appelle au Cameroun la redevance audiovisuelle et qui n'est octroyée qu'à la chaîne nationale, alors que toutes les télévisions ou de manière générale les médias, ils ont beau être privés, ils abattent également un travail d'utilité publique. Oui, nous en avons parlé et on nous a répondu, on vous a bien suivi et cela sera réglé. Ça fait il y a plus de 10 ans. On espère qu'après notre réflexion, les choses vont avancer pour que nous continuions à voir des puces Huawei, parce que vous-même, vous êtes dans la même lancée. L'aîné, ce n'est plus bien d'être dans la même lancée. Vous êtes sûr qu'il veut mourir d'un accident aux États-Unis? Bon, ça ne me Moi, ça ne me Merci Jean-Paul. On va prendre l'avis de Patrice Soros. Patrick, vous aurez un choix. Hein. Soit de parler de Pius Ndiaye, soit de parler de la grande une du journal La Nouvelle qui titre ce matin Yaoundé, ville non pas cruelle, mais ville poubelle. Bon, je vais m'intéresser aux deux. Ah, vous êtes gourmand. Je veux dire que lorsque j'ai écouté le consultant, et il serait malhonnête de ne pas connaître M. Pinjaoui pour être enseignant, et un enseignant qui parcourt les journaux dont j'ai eu cette information. Et ce que j'ai... que j'ai appris de ce monsieur, c'est que un bon ami, c'est celui qu'on aime et qu'on n'a pas peur de perdre parce qu'on lui a dit la vérité. Donc, lorsque vous aimez quelqu'un, il faut lui dire la vérité, même si vous le perdez. Donc, c'est cette attitude générale de ce monsieur qui n'avait pas peur de dire ce qu'il avait à dire. Et c'est ce que j'ai retenu de ce monsieur. Et aujourd'hui, nous devons le célébrer, comme a dit le consultant. Il faut le célébrer. Ce sont des modèles dans le domaine du journalisme. Parce que un journaliste qui n'est pas courageux ne doit pas faire le journalisme. Il doit changer de métier. C'est un métier qui nécessite beaucoup de travail. Il y a des métiers un peu plus soft. Hein. Vous pouvez par exemple être diplomate. Vous pouvez par exemple être secrétaire particulier d'un ministre. Là-bas, c'est très doux. C'est beau. Vous avez des très beaux voyages. Mais comment choisir d'être journaliste, c'est compliqué. Il faut être courageux, il faut être patient, parce que lorsque vous voulez recouper des informations auprès de certains responsables, ce n'est pas tout à fait évident. Il peut m'arriver de temps en temps qu'on vous bastonne. Qu'on vous bastonne même parce que vous voulez chercher à comprendre ce qui ne va pas. Vous êtes en train de mener une enquête. Vous menez une enquête. On vous demande, vous avez quoi à cirer dans cette affaire. Ce n'est vraiment pas évident. Donc voilà un monsieur qui était très courageux dans le métier de journaliste et que nous admirons beaucoup. Pius Ndiaye. Tous ces journalistes soient courageux comme ce monsieur. Merci. Alors, en parlant maintenant de Yaoundé, vraiment, c'est un constat. Donc, c'est un peu comme il est en train de pleuvoir. Et on ne peut pas la commenter lorsqu'il pleut. On constate qu'il est en train de pleuvoir. Donc, ce que relève le journal La Nouvelle, c'est normal. Nous constatons, je suis à la délégation départementale des enseignements secondaires, pour ceux qui passent par là. Juste à quelques 2 mètres, nous avons une poubelle. Ils ont fait chaque jour. Votre voisin. Notre voisin, c'est la poubelle aujourd'hui. Notre voisin, c'est la poubelle. Et ces gars viennent enlever parfois ces poubelles ça, après 2 semaines. Et puis, quand ils arrivent, c'est déjà... Donc, nous vivons ça, c'est un constat. Je pense que... Vous êtes à la délégation... Départementale des enseignements secondaires de Foundé. Vous permettez... On m'a dit qu'on laisse les poubelles souvent exprès à côté des services publics. Et qu'on y met des produits pour endormir les esprits, je ne sais pas. Non, bon, nous n'avons pas le choix de nous endormir parce que nous continuons à faire notre travail. Non, pas le temps. Il faut laisser Patrice Soroc. Patrice Chuton. Non, là, j'ai chuté. Je dis, c'est un constat. Je ne pense pas que le journal vient. Le journal attire l'attention des autorités. Parce qu'on en a marre.
Merci beaucoup. Voir la poubelle, là. Poubelle. Merci. Hein. Bernardo Basson, on a longtemps parlé de la société Isakama pour enlever les ordures dans les grandes villes du Cameroun. Visiblement, à un moment donné, on avait l'impression que Isakama était essoufflé, même si du côté d'Isakama, on pouvait aussi vous faire comprendre un certain nombre de choses. On faisait même comprendre que l'État était redevable. Ainsi de suite. Lorsque j'observe, je regarde, je constate également qu'il y a une autre société aussi, hein, qui ramasse les ordures à Yaoundé. Je ne sais pas si elle se retrouve également dans d'autres agglomérations en ce moment. Jusque-là, on n'a pas une nette impression qu'il y a eu amélioration pour ce qui était de la propreté dans la ville de Yaoundé. C'est vrai ce que vous dites, mais permettez-moi avant de coller un mot sur M. Pius Diaoui. Vous savez que je n'ai pas très souvent été très proche des milieux de la presse. Par contre, lui, M. Diaoui, il m'a longuement intéressé. Je suis quelqu'un qui, au quotidien, a très peu de modèles, parce que je trouve que beaucoup de personnes se contredisent. Mais M. Diaoui m'a profondément marqué. Et le cimetière des grands hommes, le cimetière des grandes âmes, c'est le cœur des vivants. Les personnes qui choisissent de mourir sont celles qui refusent délibérément de rester immortelles dans le cœur des vivants ou dans les cœurs des vivants de par leurs actions. Alors que M. Pius Ndiaye a choisi de rester vivant dans le cœur des vivants. Donc il a choisi de rester présent dans le cœur des vivants. Voilà pourquoi je tenais à lui rendre hommage. Les quelques fois que je l'ai entendu ou j'ai pu écouter ce qu'il disait ou lu les écrits, je trouvais que c'était un homme vraiment engagé, un homme qui était vraiment dynamique, téméraire, courageux et qui semblait avoir une vraie ligne de travail. C'est vrai que beaucoup voulaient lui faire également un autre procès, hein, oui, de savoir quelle était vraiment la ligne de démarcation entre le journaliste qu'il était et l'homme politique. Beaucoup pensaient que c'était plutôt quelqu'un qui était un opposant qu'un journaliste. Il n'y a pas de mal à être opposant. Vous savez, même si on rentre dans le monde religieux, Satan travaille pour Dieu. Oui. Donc, Satan travaille pour Dieu. Bon, on va pas faire le débat aujourd'hui, mais en réalité, c'est le comment cas. Comment ça? Bon, on en parlera une autre fois au cours d'une émission dédiée à cette thématique-là. Donc, être opposant, c'est aussi être celui qui démontre aux personnes en place que vous avez des manquements dans telle ou telle autre façon de faire. Mmh. Et vous suggère donc des mécanismes ou outils pour améliorer votre gestion quotidienne. Donc, l'opposant n'est pas que mauvais. Moi, M. Ndiaye, je l'ai trouvé particulièrement intéressant dans ses sorties, ses prises de position. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas eu un héritage consistant. Mmh. Et il fait partie des personnes comme Atteba Eyene, comme Martinez Zogo, qui ont servi de cobayes pour traumatiser les journalistes camerounais. Parce que ce qu'a subi M. Ndiaye, d'après ce que certains disent, à savoir une mort déguisée, tout comme Atteba Eyene ou Martinez Zogo, ce sont des mécanismes pour effrayer, pour terroriser et pour apeurer les journalistes afin que ceux-ci ne prennent plus des positions fortes. Vous savez que certains parlent de quatrième pouvoir. La presse reste un outil d'éducation, de sensibilisation, de proposition. Et donc, dans un pays normal et construit, la presse a un rôle de choix. Voilà pourquoi la presse peut être financée à hauteur de beaucoup de moyens. Mais dans un pays qui n'est pas sérieux, justement, la presse doit être clochardisée parce qu'il faudrait qu'on utilise les hommes de médias quelquefois pour des sales besognes. C'est le cas aujourd'hui au Cameroun. On va dire quoi? 8 presse écrites sur 10, 3 télévisions sur 5 sont manifestement à la solde. Et là encore, je profite, c'est pas pour faire la fleur, c'est pour dire la vérité, que sur Info TV, moi je viens ici, j'ai jamais eu un discours oriental, moi jamais dit, Bernardo ne dit pas ci, ne dit pas ça. Voilà pourquoi des fois je prends des risques, même si on ne tape dessus. Patrice Soroc également en vivant que témoin, qui n'a jamais reçu de consignes particulières. Il est un homme libre lorsqu'il participe au débat sur Info TV. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de médias comme ça au Cameroun qui peuvent prendre sur eux de laisser les gens parler d'une certaine façon. Dans d'autres médias, même on me disait que certains responsables venaient vous enlever sur le plateau lorsque vous teniez des discours qui étaient contraires à leur idéologie. Moi, je ne connais pas ce genre de médias. Je connais, mais je ne dis pas. Personnellement, je ne connais pas le directeur général de Info TV. C'est pas fait ici. Le PD. Dieu de l'UG. Voilà, moi, je ne connais pas. Vous dites quoi? Dans cette télévision, vous avez parfois en face de vous le PDG qui doit se rassurer que tout ce qui sera dit sur le plateau doit être orienté. Donc vous voyez ici, on est libre. Clairement. Et monsieur Ndiaye également, il y a même des télévisions où les chansons seulement sur le PDG vous indiquent ce que vous devez dire. donc clairement, il faut lui rendre quand même un vibrant hommage. Et je profite pour dire à monsieur Ndiaye que
bon, s'il meurt avant moi, ce que je ne souhaite pas, il faut qu'il sache quand même que... Non, je devrais mourir avant toi. Peu importe. Mais ce n'est pas mon souhait. Mais il faut qu'il sache quand même qu'il a réussi à faire son cimetière dans mon cœur, de par ses valeurs. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Le cimetière, les grands hommes se cachent dans le cœur des vivants. Et pour l'instant, vous voyez, il y a une autre personne, une seule personne décédée déjà, qui a gardé sa place dans mon cœur. Une seule personne décédée. Quelle personne? C'est mon oncle, Benoun Gilbert. Il est mort en 2015. Oui. Dommage. Donc, oui. Pour les valeurs, tout ce qu'il m'a enseigné, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. De toutes les façons, ce matin... C'est Yaoundé des villes poubelles. Oh là là. Non, je voulais vous dire. En une minute et demie. Hier, j'étais du côté de Mélène et je passais près du CHU. J'ai vu les camions bleus là enlever des amas de poubelles à côté du CHU. J'ai seulement dit, le pays ici vraiment. Pour ceux qui nous suivent au Bangladesh, c'est quoi le CHU? Centre hospitalier universitaire. Donc c'est un hôpital. C'est un hôpital. Donc vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, palu, vous en ressortez, vous avez déjà la tuberculose. Tout à coup. ou le choléra. On a beaucoup de milliardaires qui ne payent pas les impôts par les bonnes grâces du régime en place. Pourquoi ne pas leur demander ou leur suggérer d'investir dans ce secteur-là, c'est-à-dire de travailler pour rendre la ville beaucoup plus propre, puisque ces gens gagnent beaucoup d'argent et n'en font rien. Donc, au Cameroun, je pense qu'il y a une vraie volonté de tuer les citoyens, comme si les mecs disent souvent, ou de les raffermir. Merci beaucoup. Pas que Corona arrive, c'est vrai que ce n'était que l'actu presse. Je vois mon ami Jean-Paul Lebolekem qui veut reprendre la parole. Je me dis que vous pouvez le faire en 60 secondes. Oui, tout à fait. Pour dire que le problème de l'insalubrité, c'est parce que le problème semble être mal adressé. Vraiment, Isaac Kam, pour moi, c'est une société qui ne doit pas exister. Comment ça? Parce que ce sont des besoins primaires que des villes doivent pouvoir satisfaire. On n'a pas besoin de créer un organisme étatique qui va quitter de Yaoundé pour aller enlever les ordures à Kayélé. Comment ils font pour être efficaces? Non. La loi a prévu la décentralisation et la compétence primaire de toute commune. Vraiment, la basique. L'hygiène. C'est l'hygiène et la salubrité. Tout à fait. Donc, qu'on enlève cette histoire d'Isaac Amla, qu'on permette à chaque commune de s'organiser sur comment rendre cette commune propre. Et on lui donne des moyens. Tout transfert de compétences suppose un transfert immédiat des moyens. Et nous n'aurons plus de problème. Comment on peut dire que l'État doit de l'argent à Isaac Amla? Comment l'État peut s'occuper de tant de choses? En contexte de décentralisation. Dans un contexte où nous nous retrouvons. C'est vraiment régulier. Merci beaucoup. Il faut que les choses puissent aller dans le même sens. De toutes les façons, nous émettons le vœu ce matin pour que nos villes redeviennent propres et particulièrement celle, la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Pour ce qui est de Pius Ndiaye, repos éternel et reconnaissance éternelle. Un autre vers d'où s'impose. Basson, une fois de plus, je vous repasse la parole pour la dénonciation de ce mercredi. Merci, El Perfecto. Mais avant, je voudrais demander aux responsables de la Fogas Sapida de ne plus m'envoyer des messages par personne interposée. J'ai dénoncé certains de leur comportement ici il y a environ une semaine. Ils prenaient l'argent dans les villages et ils ne réalisaient pas ce pourquoi ils prenaient l'argent. Olivia Bossal présentait l'émission et leur a demandé de venir éventuellement sur le plateau exprimer leur droit de réponse s'ils estimaient que ce que j'avais dit était des contre-vérités. Ils ne l'ont pas fait jusqu'ici, donc on arrête d'envoyer des messages pour me dire tu as dit des bêtises sur la Fogas, arrête ce que tu fais. Le plateau des espaces minés est ouvert. Tu n'arrêtes pas, venez. Venez vous exprimer sur espace miné. Non, si tu n'arrêtes pas. Les gens de Fogas, Sapida Kam, ils vont faire quoi?
c'est une arrêt. Bon, disons également, hein, pour, puisque nous sommes au niveau des médias, il faudrait que nous avons aussi un rôle pédagogique. Valérie aime souvent le rappeler. Lorsque nous donnons une dénonciation ici, si quelqu'un estime que la dénonciation n'est pas vraie, ou alors il y a eu des contre-vérités, la personne a le droit de venir ici, excuser la tautologie, pour un droit de réponse. Tout à fait. Et j'espère que la... votre collaboratrice l'a dit. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Les gens de Fogas, ça dit, ben, ça veut dire quoi là? Fogas Apidakam estime qu'ils doivent menacer Bernardo. Non, on ne menace pas les journalistes. Est-ce qu'ils n'ont pas mon numéro? En même temps, ce n'est pas un combat. Non, donc, vous appelez dans la voix. Fogas quoi? Fogas Apidakam. Il faut arrêter de Fogas Apidakam. On fait un travail. Bon, oui. C'est pas un tout. On ne va pas se faire. Vous voyez quelqu'un qui vous menace. Quand vous rencontrez même la personne qui vous menace souvent, vous le demandez. C'est toi qui me menace souvent. Parce que si tu vois même celui qui t'écrit des messages, tu vas lui dire. C'est toi qui me menace souvent. Non, disons ce que faut non, faire. Non. Donc, les gens de Fogas, quelque chose. Ça, de là. Non, l'autre nom, là, me dépasse. Donc, ils sont libres de venir ici pour un droit de réponse. Tout à fait. Entre-temps, s'il vient encore dire des mensonges, j'ai peur que Bernardo aille encore plus en profondeur. Mais il y a leurs accusateurs, eux, les attendent ici. Voilà. Donc, et ils fouillent leurs accusateurs. Les accusateurs ont des dizaines de documents qu'ils nous ont. Donc vous n'avez même pas tout dit. Non, on n'a même pas. Parce que l'histoire est tellement longue. C'est depuis 2017. D'accord. Vous voyez. Bon, c'est des arnaqueurs comme ça, les Satibaka. Et comme j'aime souvent dire ici, DG, avant de dénoncer, je prends la peine de recouper les informations, de rassembler les éléments pour ne pas dire des bêtises. Bernardo, je vais vous dire ce que ton grand frère a dit sur le plateau tout à l'heure, à Patrice Soroc. Oui, oui. Le rôle de dénonciateur n'est pas un bon rôle. Hein. C'est pas un bon rôle. Les gens n'aiment pas qu'on parle de leurs choses. Hein? Surtout certaines la choses. La vraie menace, c'est Fogas, c'est Sapeda, Kamakwa. Ils ne sont pas contents. Ouais, un peu. Mais je leur annonce officiellement que depuis... Vous allez revenir? Non, depuis le week-end, j'ai recruté une troisième abeille. Donc j'en avais deux. Maintenant j'ai recruté une troisième abeille. Bernardo, la dénonciation de ce matin. Bon, aujourd'hui, c'est pas moi qui dénonce une fois de plus. Je vais faire l'effort d'être vraiment impartial comme on m'a suggéré. C'est une femme qui dénonce le comportement de son époux. Cet époux dont elle m'a montré l'image est un haut gradé de l'armée camerounaise. La dame s'est rendue coupable d'infidélité dans le domicile conjugal et le haut gradé de l'armée est arrivé et a eu des preuves visuelles, du moins a vu la scène, comment sa femme était avec quelqu'un de l'entourage dans le domicile conjugal en train d'avoir des rapports sexuels. Oh là là. Et une fois que le monsieur a vu cela, il est ressorti, a démarré sa voiture et est allé au travail. Et depuis trois mois et demi, le monsieur rentre à la maison, il fait tout bien, mais il ne dit pas bonjour à sa femme, il ne dit pas bonsoir à sa femme, il se couche sur le canapé. Deux mois après, elle a eu tellement peur qu'elle est partie dans sa famille, disant à ses parents qu'elle ne peut plus rester dans cette maison-là, parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Lorsque son père lui demande ce qui s'est passé, elle n'arrive pas à dire. Son papa a convoqué donc le monsieur, son beau-fils, son gendre, d'aller dans la maison familiale. Il est allé. On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Elle est venue ici depuis deux semaines. Elle nous dit qu'elle ne peut pas vivre chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Que tu es silencieux, tu es très calme. Le monsieur dit donc à son beau-père, est-ce qu'elle vous a dit que je lui ai fait quelque chose? Est-ce que je l'ai frappé? Est-ce que je l'ai chassé? Non, elle a juste dit que tu es devenu... Elle ne rationne plus. Oui. Que tu es devenu bizarre, tellement silencieux, qu'elle a peur que tu la tues un jour. Et il lui a dit, ok papa, quand elle te dira peut-être ce qu'elle a fait, là tu comprendras. Tant moi, je n'ai rien à te dire. Moi, je peux juste rentrer chez moi et qu'elle sache qu'elle est une femme mariée et qu'elle vienne à la maison. Donc la femme estime que en dormant chez elle, elle peut se lever un matin voir le fusil sur le front. Donc elle souhaite vraiment. Elle estime que vraiment elle peut dormir et se retrouver avec une balle en plein milieu du visage et qu'il faudrait vraiment qu'on essaie de discuter. Elle prend la réaction du monsieur. Que les mineurs en parlent ce matin parce qu'elle connaît son mari comme étant un homme très fougueux et
le voir bizarrement calme. Cela l'inquiète plus. Oui. Donc, qu'il regarde souvent l'émission, il faudrait que les démineurs en parlent ce matin. Ah, son mari est un fidèle de l'émission. Oui. Ah, il faudrait qu'on en parle ce matin afin qu'il sache qu'elle est mal dans sa peau. Et vous dites que c'est un haut gradé de l'armée. Oui, d'accord. Je ne veux pas donner de grade. Je vous suggère donc d'aller doucement. Tout à fait. Alors, non, Patrice Soron, votre commentaire. Moi, je dirais que si j'avais le nom de ce monsieur. On a le nom, mais on ne donne pas. Mais je vais lui dire en direct que je l'aime beaucoup. Ah bon? Ça, c'est une très bonne attitude. Elle s'en sert à rien de s'emporter lorsqu'on trouve ce genre de situation. Elle n'a pas suggéré son ménage. Moi, je l'aime. Qui garde son silence éternellement? Non. Oui. Qu'est-ce qu'il m'a dit? La femme est dans un état psychologique. Oui, c'est pire que la prison. C'est à elle de se battre. Pourquoi elle a posé un acte? Non. La femme ne sait pas que l'on m'a vu. Elle sait. Elle est partie de la maison. Pour deux semaines. Deux semaines. Son père lui a dit, madame, quand on est marié, c'est pas pour dire que c'est son père. Rentre dans ton foyer. Moi, j'aime ce monsieur et je ferai la même chose. Ça sert à rien. Vous allez tensionner dans notre genre. Non. Lorsqu'on est marié, qu'on respecte le mariage. Je vais un peu copier, reprendre Saint Bende qui disait que lorsqu'on aime son épouse, on peut être avec une autre femme et penser toujours à son épouse. Qu'on peut dire quoi? Si elle peut faire ce genre de choses, qu'elle le fasse en cachette, c'est quand même pas sérieux. Est-ce qu'elle ne sait pas? Le mot discrétion existe pourquoi? C'est pour qu'il soit appliqué. Il faut être discret dans ce qu'on fait. Surtout quand ça va à l'encontre de la norme conjugale. C'est ça. Parce que lorsqu'on a pris, on a mis la bague à la main, c'est pour au moins respecter son époux. Alors, vous. C'est pas une blague. Imaginez ce mec. Il est vraiment intéressant. Il n'en parle pas. Il a gardé le silence. Il garde le silence. Mais il ne fait plus rien. C'est aussi pour son honneur. Mais il ne dit plus bonjour à la femme. Il n'a plus de rapport intime avec sa femme. Il ne rit plus avec sa femme. Bien sûr. Il ne lui demande rien. Mais c'est parce que c'est la meilleure attitude. Non, c'est la meilleure attitude. Il est en train de tuer cette femme d'une autre manière. Non, elle ne va pas mourir. Qu'elle soit courageuse. Parce que c'est la tête courageuse pour poser cet acte. Qu'elle soit courageuse à résoudre son problème psychologique. Parce que l'acte qu'elle a posé, si peut-être les autres collègues étaient, peut-être aujourd'hui c'est au courant, ça peut impacter dans sa carrière professionnelle, même psychologiquement. Ça peut être un monsieur qui peut être traumatisé lorsqu'il va au boulot. Alors vous êtes sûr d'avoir une épouse et puis un matin vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Merci. Moi, en tout cas, moi je l'aime. Merci beaucoup. Jean-Paul Ebolekem, moi j'ai d'abord une préoccupation. Hein. J'admire aussi le courage de certains hommes, qui partent avec les femmes des autres et maintenant ont le courage d'aller le faire sous le domicile du mari. Et on me dit, on me donne le grade, Basson vient me donner le grade là, ce n'est pas un petit grade. C'est la sorcellerie. Un homme en tenue, un militaire, un gendarme. On te dit que c'est un haut gradé. Bon, vraiment, Jean-Paul, il s'agit de quel genre de courage? Non, j'ai un sorcier. Vraiment, si c'est passé sur le courage. J'ai envie de dire que c'est un blagueur, mais c'est un blagueur d'un autre type. Parce que vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas aller chez quelqu'un. Attends, même si on vous a payé pour le faire. Vous ne pouvez pas le faire. D'abord, vous prenez l'argent qu'on vous a donné, vous allez à l'auberge, vous allez faire ce que vous avez à faire. Donc c'est vraiment incompréhensible. Et à ce monsieur, vraiment, je ne sais pas si il faut que je fasse une formation dans l'armée, si c'est là-bas qu'on apprend ce type de maîtrise. Maîtrise de soi. Parce que vous arrivez là, vous ne faites rien. La maîtrise de vous soi. Pouvez faire une gaffe. Alors qu'il a son arme. Tout à fait. Mais je vais simplement le suggérer peut-être de rester encore comme ça peut-être pendant 3 mois. Parce que c'est le temps. Mais c'est beaucoup, hein, pour la femme. Non, ça permet à ce que cette femme ne fera plus jamais. Parce que si on l'avait tapé ou bien si on l'avait puni, elle va oublier. Hein? Et ça passe. Ça passe. Je pense que cette méthode est vraiment... Elle est bonne. Il faut que la femme subisse encore un peu parce qu'elle a fait... Elle est un peu sensible. Ça, c'est donc qu'elle comprenne que elle a blessé son mari, elle a blessé le couple, il pouvait se retrouver dans des situations vraiment désagréables et qu'elle continue à peut-être à mieux se conduire et à prier pour que son mari revienne à elle et que dans l'avenir, elle ne puisse pas essayer de recommencer avec ce genre d'attitude parce que c'est vraiment génocidaire. Très bien, merci. Hein. Je pose une autre préoccupation en complément d'information à Bernardo. Depuis que cela s'est produit, la dame a quand même cherché à se rapprocher de son mari ou bien de lancer une espèce de dialogue, je ne sais pas.
d'après ce qu'elle m'a dit. Oui. C'est la dame qui est venue se plaindre. Oui. Mm-hmm. Dans le ménage, lorsqu'elle dit à son mari, la facture est arrivée. Il lui demande, c'est combien? Elle dit 35 000, il prend. Donc, elle dépose l'argent. Oui. Lorsque elle veut peut-être aller au marché ou envoyer la dame de ménage au marché parce qu'elle en a deux, homme et dame de ménage chez elle, elle demande les fonds, son mari lui donne. Donc, quand elle lui parle, lui, il répond avec la plus grande politesse. Mais lui, il ne demande rien, il ne dort pas avec elle. Donc, lui, il est distant de sa personne. Mais lorsqu'elle vient... La dame a voulu engager la causerie dans ce qui... Oui. Sur ce qui s'est passé. Oui, elle m'a dit, elle a essayé deux fois. Et le monsieur a dit et il est couché sur le canapé, il regarde le sport. Quand elle veut ouvrir la télé. Oui, quand elle veut ouvrir la discussion, il prend le téléphone, il commence à manipuler. Donc, quand elle insiste, il se lève, il va, il va à l'étage, sur le salon du haut et il reste il comme ça. Il ne veut pas en parler. Oui, il ne veut pas en parler. Pierre Blérugnier, mec, je vous passe la parole. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute sciure. C'est une parole qui est tirée à la fois de la Bible et du Coran. L'infidélité est devenue le mode de fonctionnement de beaucoup de couples. Mais dans le cas d'espèce, nous n'avons pas affaire à de l'infidélité. Il s'agit de quoi? Nous avons affaire à la haute trahison. Ouais, il ne faut pas aussi trop donner encore beaucoup d'armes à ce monsieur. C'est la haute trahison. On n'enseigne pas le calme de ce monsieur dans l'armée. Donc ne perdez pas votre temps. Tout au contraire. Ouais. L'un des collègues de ce monsieur s'est retrouvé dans la même situation. Et ce qu'il a fait, je crois que la femme doit être au courant de ce que le collègue de son mari avait fait. Enfin, c'était pas beau. Bon. Aujourd'hui, le jeune homme qui est allé dans l'encre du diable, qui a dîné avec Satan et qui est rentré, croit qu'il est vivant. Le jeune homme qui est allé coucher la femme d'autrui sur le lit conjugal. Chaque jour, quand il mangera, qu'il mette une part de côté pour les ancêtres. Dans le mal, tu peux dire ça. Qu'en fait, les ancêtres lui ont déjà tendu les bras. Il peut partir à tout moment. Quelqu'un vous disait, si même si on vous a payé, ce n'est pas qu'on vous a payé. En fait, c'est quand on vous a vendu. C'est pas qu'on vous a payé. C'est quand les sorciers de votre village ne veulent pas vous tuer directement, qu'ils vous font porter ce genre de choses. C'est-à-dire, pendant que vous êtes là, vous êtes dépouillé de votre cerveau. Si il n'a pas vu le haut gradé, je suppose. Parce que si vous le voyez, les choses qui peuvent sortir de votre corps peuvent précipiter votre mort. Il n'a pas besoin d'utiliser l'âme. Maintenant, vous êtes sorti de là, est-ce que vous vous comptez encore parmi les vivants? Peut-être que le gars continue de penser qu'il est vivant, mais en fait, il est dans le pays des morts. Revenons sur le cas de la femme. Je crois qu'elle est un peu trop courageuse quand même. Je déteste les gens qui font du mal aux autres et ont de l'empressement à se faire pardonner. Ouais. Parfois, c'est quand je vous ai offensé, c'est pas moi qui vous donne la date du pardon. Tout à fait. Je continue de faire des efforts sans monter de l'impatience. Parce que ce qu'elle a... Donc, vous êtes à combien de mois? 3 mois et demi. Et elle vient même d'avoir Bernard. Non, elle ne sera même pas pardonnée. Non. Elle n'a pas encore compris elle-même la gravité. Parce que sur ces 3 mois et demi, elle a passé deux semaines dans sa famille. Donc, il y a même aussi... Si on voulait la tuer, elle serait morte depuis. Donc, elle n'attend pas une arme. C'est pas comme si on est en train de recharger les balles. Il y avait les balles dans l'arme. Si c'était pour la tuer, on l'aurait tuée. On ne va pas la tuer. Mais elle ne connaît pas ce que les chrétiens catholiques appellent la contrition. La contrition, c'est l'expression d'un cœur profondément meurtri par un péché qu'il a commis. Et elle n'est pas encore, elle n'est même pas sur cette voie. Elle est le genre de femme qui veut juste avoir un rapport sexuel avec le mari et qui l'oublie. Voilà. Mm-hmm. C'est tout. Elle sait que quand l'homme va remonter là, le cœur sera le cœur, c'est tout ce qu'elle veut. Et l'homme va oublier. Elle n'a pas encore fait son mea culpa, mea maxima culpa. Alors, j'insiste pour vous donner un conseil aussi à l'homme.
que doit faire l'homme. Voilà, l'acte a déjà été posé. La femme estime qu'elle souffre, même si vous avez expliqué tout ce que vous avez expliqué là. Est-ce que l'homme devrait donc continuer dans cette attitude sur 5 ans, 10 ans? Parfait, Ayissi. Oui. Le nom que vous m'avez donné ne convient pas à cette situation. Si je prétends pouvoir donner un conseil à cet homme, c'est comme si le pape donnait un conseil à Dieu. Cet homme est un homme merveilleux. C'est lui qui peut nous donner des conseils. Ouais. Vous comprenez? C'est lui qui peut nous... Parce que n'entendez pas. Entendre qu'on a couché votre femme, c'est une chose. Voir ça. Et où? Vous parlez... Et où? Vous parlez de son arme. Lui-même aurait pu avoir une attaque. Ouais. Qu'aujourd'hui serait hémiplégique, etc. L'AVC. Il serait contre. Elle demanderait. Toute la partie du bas ne fonctionnerait plus. Elle veut quoi? On peut le faire. On peut attendre que ça s'est passé dans. Mais vous avez vu ça dans votre domicile. Les messages que cette femme a envoyé à son mari, c'est qu'il est un incapable sexuellement. Elle lui a envoyé 100 000 messages. Le gars essaie, le monsieur essaie d'intégrer tout cela, de comprendre. Parce que la femme n'a pas fait seulement une infidélité. Elle a fait de la provocation. C'est pas de l'infidélité. Non, c'est de la provocation. Vous êtes seulement en train de mettre de l'huile sur. Non, il n'y a pas de l'huile. Je vous ai dit que ce monsieur. Moi, je veux que nous cherchions un chemin de l'arrangement, un chemin de l'apaisement. Ils ont des enfants? Trois. Mais que le monsieur pense qu'à moi, c'est trois. Vous ne saisissez pas. Le monsieur est dans un processus d'auto-guérison. Il n'a pas réagi avec les émotions. Je vais vous dire ce qu'on appelle en psychologie le retentissement. C'est la durée que prend l'ébranlement psychologique lorsque vous avez reçu un choc. Son retentissement est long. C'est un individu de caractère flegmatique. Donc il y a des gens qui, ceux qui agissent sur le coup oublient très vite. Il tape sur sa femme et à 22 heures, ils sont en train de faire l'amour. Et la femme dit que je connais mon type là. On peut reprendre. J'ai son secret. Il prend son temps. Il ne va lui faire aucun mal, qu'elle soit rassurée. Il n'en est pas là. Il veut guérir totalement. Parce qu'elle n'est même pas sûre que son érection peut encore prendre en ce moment. Le gars est encore en train de voir ses images. Et mon Dieu. Et peut-être même qu'il a trouvé qu'on a tordu sa femme dans une position. Parce que les gens comme le bandit qui allait prendre la femme là. C'était un gars qui avait des tatouages. Si tu trouves ce qu'il est en train de faire, tu vas te dire que ça, c'est la femme que j'avais épousée. Qu'on vient comme ça. Merci Blériot. Bernardo Basson, à une minute et demie, votre appréciation. Sur le plan psychologique, M. Niemek a évoqué une notion, un élément, le retentissement. C'est-à-dire, en anglais, on peut appeler ça le timing. C'est-à-dire, le moment que prend une chose pour se manifester, se matérialiser. Donc, le retentissement, c'est justement un espace-temps. Et il varie en fonction des individus. Ce qu'on peut noter de façon plate, c'est que ce monsieur est en état de déprime. Ça, il faut le dire. Il n'est pas encore en dépression, il est en déprime. Parce que la déprime se manifeste généralement par un affaissement de l'humeur, généralement. L'humeur s'affaiblit, vous devenez un peu plus apathique. Lorsque vous commencez à avoir des troubles de sommeil, vous n'arrivez plus à avoir de l'appétit alimentaire, appétit sexuel. Là, on va déjà en dépression mineure, mais il est encore en état de déprime. D'après ce qu'elle m'a décrit des comportements du monsieur, c'est déjà un cas assez particulier parce qu'il n'y a pas d'âge pour déprimer. En fonction de ce à quoi on est attaché, une rupture brusque peut nous mettre en déprime. On peut aimer sa femme quand elle décède, on déprime. On peut aimer sa mère quand elle décède, on déprime. Quand on aime sa femme, quand on la surprend avec un autre, on déprime. Par exemple, justement. Donc, un choc émotionnel violent peut nous mettre en état de déprime. Maintenant, sur le plan social, comme j'aime souvent dire, je vais me garder de donner des conseils parce que je ne suis pas officiellement marié. Et c'est prétentieux de donner des conseils aux gens qui ont 30 ans de vie maritale. Voilà. Mais ce que je pense, c'est quoi? C'est que
Moi, j'aurais fait deux choses. Même si je sais que c'est compliqué d'anticiper, j'aurais tenté de faire deux choses. Moi, je la première, c'est que avec des abeilles et tout non, ça. Non, pas ici, absolument pas. J'allais découper le monsieur ou bien la femme. J'aurais pris un temps suffisamment long pour rester en retrait comme ce monsieur l'a fait. Parce que habituellement, quand une situation me choque profondément, je me mets en retrait. Je pense que il fait ce qu'il devrait faire. Deuxièmement, je me serais dit une chose que tout le monde ici sûrement va partager ou presque, c'est que elle s'est trompée. Et quand on se trompe, on peut quand même se faire pardonner. Donc, je pense que nous les hommes aussi parfois on fait de grosses bêtises et nos femmes nous pardonnent. Même si ce cas est grave et qu'il faudrait qu'il prenne 2 ans peut-être pour se reconstruire progressivement, après il devrait comprendre peut-être que c'est une bêtise qu'elle a faite et qu'il faudrait passer dessus. Parce que pour moi, la livrer à vendite... Vous suggérez le pardon. Pas maintenant en tout cas. Parce que je ne peux pas lui suggérer un temps... Vous donnez quel timing? C'est compliqué parfois ici parce que chacun va décider selon ses filtres, selon son éducation, selon ses valeurs. Donc je ne peux pas définir. Ça peut être dans les 2-3 buts. Je dis que moi je veux la réconciliation dans ce couple. Facilement comme ça. Facilement comment? C'est passé. Ça a fait 3 mois et demi. C'est passé. Le monsieur torture cette femme. Je donne encore 1 mois. Et qu'il puisse se réconcilier. Je pense que le mariage est fini. J'ai imposé un maigre mois. Non, le mariage est fini. Ils ont les enfants, elle n'a pas chassé. On va lire le message. Qu'ils encadrent les enfants. Ce monsieur n'a pas posé, non, qui devait impacter même sur l'éducation des enfants. Il n'a pas tapé sur maman, il n'a rien fait. Et les enfants ne sont même pas peut-être au courant. Je sais qu'il s'est non, passé. Mais il a dit à l'aîné. L'aîné a déjà un âge avancé. Ah, l'aîné a avancé. Oui. Il a à peu près quel âge? 34 ans. Oui, il avait dit. C'est un homme. Il devait lui dire que tu vois que les bassins ont un mot. Bling. Avoir un enfant. On appelle ça, on dit ça en bêtis, à Simba. Que ta mère a fait la Simba. Nous allons lire les messages. Non, hein. Nous allons lire les messages. Bonjour, Onganou de la modération. Wow. L'homme au timbre vocal logosien. Le logosius des temps modernes, le maestro des maestros, monsieur parfait ici. Pour les poubelles, je vais dire qu'au-delà des expressions factuelles, il y a un proverbe bambara qui dit que la grande poubelle a besoin de détritus pour accroître sa grandeur. C'est pour dire que la violence, les détournements, les routes et tout le mal que nous font les bandits à col blanc ne sont que les expressions métaphoriques de la poubelle. Quel le Cameroun aujourd'hui? Bon, on va pas quand même dire que le Cameroun c'est une poubelle, hein. D'accord. On fait ce qu'on veut et tout ce qu'il y a est nauséabond. Même la dénonciation n'est que l'expression d'une femme poubelle. Sa conscience va la juger. Fabio Tama. Ah, qui est Fabio? Tu es très engagé ce matin. Hein? Bonjour les rois du micro, toujours chaud les matins. Vous êtes plus que... Donc, il a cité une chaîne de télévision là, que volontairement je ne vais pas citer. Je vous amène au plus 351. Je ne sais pas là où nous situons. Hein. Bonjour le plateau. La semaine dernière, on avait eu un débat du genre. J'avais demandé à Bernardo s'il pouvait continuer à coucher avec sa femme, s'il se rendait compte que sa femme le trompait. Quand ta femme te trompe, tu ne peux même plus la regarder dans les yeux tellement elle te dégoûte. Donc je comprends son mari, il est déçu et dégoûté. C'est Fred de Paris. Autre message ce matin, bonjour tonton et toi, je tiens à te renouveler ma sympathie la plus sincère. T'es pour moi le plus prolifique journaliste de l'Afrique SMAC. Ton labeur dans cette chaîne de télévision porte vraisemblablement d'ores et déjà des fruits de telle enseigne que j'ai un frénétique embarras entre 10-12, le Zénith, et Espace Mini avec son rigueux consultant Pierre Blériou-Niemec, ainsi que son acolyte Bernardo Basson. Chapeau, c'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Autre message. Bonjour, parfait. Ici, Niemec est sorcier. C'est Yves Saint-Laurent, on doit de fou. Autre message ce jour, hein. Je vous amène au plus 41. C'est du côté de Berne.
La Suisse. C'est la Suisse. Bonjour, parfait. Et à tout le panel, très content de te revoir. Néanmoins, je m'en vais vous poser une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? C'est Karim de Berne. Et il rit. Merci Karim. Autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Yaoundé ne sera jamais propre. Pour la dénonciation, je demande au haut gradé de gérer l'affaire comme le Saint-Esprit le fait au quotidien dans sa vie. Obala en connaît une pareille histoire. Il y a quelques années, où un gendarme avait tué sa femme qui était professeur de français et son amant plus lui-même, le gendarme. Tous décédés le même jour. Ouais. Les gens n'en tirent jamais de leçons dans ce monde immonde. Norbert oui. Joël depuis un Colbison. Autre message ce jour. Oh. Bonjour, oui, parfait. Faire, voilà. Le sujet sur l'unité et l'intégration. Non, ça c'est un vieux message. Hein. Et ça c'était le 13 mai. Je prends celui qui l'envoie aujourd'hui. Bonjour, parfait et bon retour. Bonjour à Monsieur Niemek, à Bernardo et aux enseignants sur le plateau. Parfait, le journalisme est une honte pour notre pays car les journalistes sont inféodés soit au pouvoir, soit aux grands hommes politiques et d'affaires. Dans les grands pays du monde, la presse joue un grand rôle et influence les grands problèmes du pays. C'est dommage pour nous. C'est Pierre-François d'un Colbison. Autre message. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mbambaché, Amontia d'Alberto, Matamu Mbamba Swanda. Oh, Niemek, c'est toi qui dis souvent qu'on n'a rien mis dans les fesses de la femme, non? Et qu'on n'était même pas là quand Dieu mettait ce qu'il a mis dedans. Tu es trop fort. Non, mais ça veut dire qu'il ne comprend pas. Moi, je ne parle pas de l'infidélité, vraiment. Et il continue. Attends d'abord qu'il finisse. Il dit, tu es trop fort. Pour une fois, tu n'as pas de conseil à donner à quelqu'un. Oh, colo, le monsieur là t'a vraiment dépassé. Un homme en tenue tempérée comme ça, c'est Assoum depuis Bingalanda. Je suis humain. Il m'a dépassé véritablement. Je parle de la provocation. Je ne parle pas de l'infidélité, si on fait attention. Parfait. Je parle de la provocation. Tout à fait. En Bassa, on dit que les mourou, on dit que les cas qui ne sont pas. C'est-à-dire. Vous allez faire de la pluie ici un jour. Si tu fais les sels dans le champ de quelqu'un, si tu n'es pas obligé de commencer à casser toutes les semences. Fais des sels, tu parles. Incroyable. Bonjour, monsieur parfait. À ici, la femme mérite encore plus que ça. C'est David depuis Libreville. Ok. Vous voulez seulement tuer la femme là. Bonjour, perfecto. Merci pour ce que vous faites chaque matin pour les téléspectateurs. Autre message. Alors, s'agissant de la dénonciation de Bernardo, je voudrais dire que mon admiration pour cet homme est infinie. Que l'éternel Dieu nous donne la force de ne pas souvent mettre le cœur et l'émotion sur ces choses qui tuent. L'infidélité d'une femme est déjà une douleur atroce sur le lit conjugal, c'est vraiment de la trahison. Quand je pense aux caprices de la belle famille, la facture de la dot, c'est difficile de faire face à une telle situation. Bravo encore à cet homme rare, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Adalbert Vida, c'est un confrère. Hein? Oui. Bonjour, perfecto. Merci pour ce que vous faites chaque matin. Bonjour, les rois du micro, toujours chaud. Merci. Autre message ce jour. Bonjour le panel, il y a un détail qui m'échappe dans la dénonciation. Est-ce que le monsieur qui a couché avec la femme du monsieur connaissait ce dernier? Car j'ai peur que ce ne soit une sorte de vengeance. Qui sait si l'homme en tenue n'avait pas eu à faire cela à la femme du monsieur qui s'est vengé? Faites attention, les gens sont méchants. C'est Joseph Amougui de Mimboman, dont le silence de l'homme en tenue peut cacher sa propre culpabilité. Elle-même a dit que c'est un monsieur de l'entourage. C'est quelqu'un de l'entourage. Elle m'en a pas dit plus, mais c'est quelqu'un de l'entourage. L'entourage du monsieur. Oui. Donc, de leur entourage commun, en fait. C'est incroyable. Donc, elle le connaît depuis de longues années. Vous voyez le niveau de trahison. Parce que quand vous ajoutez au fait que... L'entourage. C'est l'entourage. Quand vous connaissez votre tueur, c'est encore plus grave. Mais elle parlait en pleurant. Hein. Bonjour, chers aînés. Merci pour le travail et votre combat. Certes, je trouve surhumain la maîtrise de cet homme en tenue, mais espérons aussi qu'il n'est pas en train de réfléchir à la manière de lui faire payer cela de la manière la plus douloureuse. Bonne suite et merci. Christian depuis Baganté. Je prends notre verre. Thank you.
10-12, le plus suivi en télévision en Afrique au sud du Sahara. 10-12, espace miné. Les démineurs vous donnent justement ce rendez-vous tous les matins. Ce matin, justement, nous parlons des vacances. Comment passer des vacances sans déviance? Nous l'avons dit en ouverture, pour le cas du Cameroun, nous sommes en période de vacances. Je commence par le pédagogue qui est sur le plateau, Patrice Soroc. On sait que pendant la période des vacances, beaucoup d'enfants se lâchent, beaucoup d'enfants sont donc les détentes et que sais-je encore. Mais par moments également, les périodes de vacances peuvent constituer de points focaux pour des déviances. Quel est votre regard? Bon, déjà, il faut dire que la période de vacances, c'est une période où on doit effectivement déstresser. Parce qu'on doit vraiment prendre du repos. On a passé une année scolaire pleine. Et c'est devenu un vrai problème chez nous, déjà. Parce qu'il y a cette transition-là, le passage de l'année scolaire aux vacances qui est parfois mal géré. Parce que, voyez-vous, l'école, c'est un milieu réglementé. Tout à fait. Il y avait un règlement intérieur qui organisait l'établissement. Alors, l'enfant sort de ce cadre réglementé qui est un peu dictatorial. Ce n'est pas la vraie dictature, mais il y a une certaine dictature parce qu'il faut arriver à 7h30. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Alors, l'enfant part de ce cadre pour la maison. La maison, c'est les vacances. Et là-bas, la maison semble être un cadre qui n'est pas vraiment réglementé. Et c'est là donc où se pose le problème, où on arrive au comportement déviant. Les comportements déviants, ce sont les comportements qui s'écartent de la marge des normes sociales. Tout à fait. Alors, et je pense qu'il y a ce laisser-aller là, et ce laisser-aller de la maison. Parce que pendant les classes, déjà, il y a des cas de déviance, mais qui sont gérés. Nous sommes au niveau, je suis à la délégation départementale, nous avons des rapports passés sur. Il y a un combat très régulier des chefs d'établissement dans les lycées et collèges de la ville de Yaoundé. Nous enregistrons des cas de déviance au sein même des établissements. Alors, c'est déjà maîtrisé, c'est assez maîtrisé. Et comme nous sommes dans un cadre qui est réglementé et qu'à la maison ce n'est pas réglementé, c'est un problème. Donc, globalement, ça devient un réel problème chez nous. De comment gérer les vacances sans déviance. Encore que, vous avez vu, je ne peux pas dire, j'ai vu une collègue ce matin qui accompagne ses enfants en vacances. Elle est assez jeune. C'est comme si elle se débarrassait de ses enfants. Elle accompagnait. Oui, les enfants doivent aller chez la grand-mère rester. Vous voyez, il y a aussi cette absence de responsabilité parentale qui se pose parce qu'il faut assumer son rôle de bout en bout. En même temps, il y a également. Une situation qui voudrait que les enfants puissent être au contact de leur culture, la vraie culture du côté du village. On est tout à fait d'accord, mais il ne faut pas faire comme si on se débarrassait, parce que même étant à la maison, on peut figurer, voyez-vous, lorsqu'on prend les vacances, on peut faire des rattrapages, même que ce soit sur le plan pédagogique, que sur le plan culturel. C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas de la jeune fille qui n'a pas eu le temps de préparer. Donc pendant les vacances, on profite de cet espace pour l'amener à faire la cuisine. C'est qui doit faire le repas de la journée. Vous voyez, cet apprentissage aussi, c'est... Donc, c'est un peu cela. Donc, se débarrasser aussi des enfants. Puisqu'à notre époque, nous voyons des aînés aller au village. Quand ils allaient eux-mêmes avec les enfants. Parce qu'il faut les garder. Il faut qu'ils gardent à l'esprit que dans 2 ou 3 mois, ils vont aussi repartir à l'école. Merci. Hein. Jean-Paul Ebouleking, il faut dire qu'en période de vacances, ce sont des périodes propices pour ces jeunes d'aller au championnat de vacances, d'aller au bal, au village, pour ceux qui sont restés dans des villes, d'aller en boîte de nuit, d'aller, je ne sais pas, dans quelle sorte de partie. Et Dieu seul sait que ce sont des endroits où l'on n'est pas toujours là pour faire la promotion de la Bible avec le chapelet. Oui, tout à fait, mais je souhaitais revenir sur ce que disait le pédagogue. Vous êtes libre. Lorsqu'il dit qu'on abandonne les enfants en les envoyant peut-être au village ou bien ailleurs, je me dis peut-être c'est parce qu'il pense que envoyer les enfants chez la grand-mère ou chez la tante, c'est les abandonner. Ou que non, nous ne pouvons pas toujours avoir nos enfants avec nous. Nous ne devons pas toujours avoir nos enfants avec nous. Nous-mêmes, la plupart d'entre nous, j'ai grandi chez les grands frères, chez les tantes, où chacun donnait un tout petit peu de son éducation. Moi, j'estime que
comme j'ai mes enfants, ils doivent rester chez moi, ils doivent seulement être éduqués par moi. Ce n'est pas forcément le modèle dans lequel nous avons évolué et nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire que ce modèle n'est pas tellement mauvais. On peut envoyer des enfants au village pour qu'ils soient encadrés par les grands-parents, même si ce n'est pas le même standing de vie. Il faut parfois s'accommoder à certaines réalités. Donc, c'est ce que je souhaitais dire. Maintenant, en ce qui concerne les programmes des vacances, oui, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, nous devons faire un effort de mettre nos enfants à des activités qui sont utiles, vraiment. Il y a des moments où on peut faire des activités agréables, mais il faut que chacun, au retour des vacances, puisse nous dire ce qu'il a retenu. Ceux qui sont au village doivent apprendre à faire certaines activités champêtres. On peut faire des formations en langue. Moi, je me rappelle quand on était en 5e, 4e, on nous donnait souvent ce genre de sujet. Hein, quand on rentrait des grandes vacances, la rédaction. Vous racontez ce que vous avez vécu pendant les grandes vacances. Tout à fait. Je pense que c'est le moment de faire ce genre d'activité. Et puis, pour ceux qui ne sont pas allés au village et qui ont accès à la télévision, comme je disais en début d'émission, il faut avoir une oreille attentive à des débats comme ceci. Lorsque quelqu'un a déjà plus de 18 ans, il ne va pas être étranger au débat public. Il faut qu'il apprenne à savoir comment se comporter dans la société, l'éducation civique, l'éducation politique, comment ne pas avoir des contenus adaptés à ces jeunes-là. Vous voyez, quand vous allez jeudi sur TikTok, il y en a qui sont devenus, qui ont ouvert des pages de TikTok pour les vacances. Vous voyez des jeunes de 16-17 ans qui, pour les mois, ont des vues qui défilent tout le temps, ils font 5-6 vidéos par jour. Pourquoi ne pas aller dans un espace, trouver des contenus qui sont aussi attractifs sur la citoyenneté, sur les droits des enfants, sur l'inscription sur les listes électorales. Nous pensons que nous devons également travailler pour que cette jeunesse-là, en étant dans les réseaux sociaux, pour pouvoir les rencontrer là-bas, les enseigner quelques petites notions, afin que lorsqu'ils rentrent de là, ils abordent l'école avec un nouveau paradigme, éviter un certain nombre de déviances comme nous avons connu dans ce pays ces derniers temps, des choses qui se font dans les collèges. Non, c'est le moment pendant les vacances de penser utile, d'acquérir d'autres connaissances, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. Très bien. Et que sais-je encore. Bernardo Basson, nous avons connu un grand enseignant d'université dans ce pays, un grand patron des regrettés mémoires, hein, le professeur Gervais Mendoze. À l'époque, à la télévision nationale, il avait mis sur pied un programme qui était baptisé « Déviance ». Moi, j'avoue que j'aimais bien cette émission. Il y a une vingtaine d'années, hein, lui-même était en posture d'invité. Et on lui posait des questions. À l'époque, je pense, c'était le professeur Daniel Anissénois qui lui posait des questions. Et Mendoze sensibilisait. Le nom de l'émission, j'insiste, était « Déviance ». En ce moment, comment passer des vacances, Bernardo, sans déviance au Cameroun et même ailleurs? C'est compliqué, mais il ne faudrait pas quand même être alarmiste ou défaitiste. Oui. Vous avez vu que « vacances », là, c'est au pluriel. Parce qu'il faut distinguer la vacance des vacances. Tout à fait. Ouais, parce que les vacances concernent de façon téléologique une période de repos. Mais qui en fait n'existe pas. C'est une période de mutation d'activité. On passe certaines activités, notamment celles académiques, éventuellement universitaires, à d'autres activités. Et la déviance, c'est tout simplement la transgression de la norme sociale. Tout à fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, le premier problème vient de la déconnexion qui existe entre les parents et les enfants de manière systémique. Parce qu'à mesure que le temps passe, les pressions sociales, la misère, la recherche effrénée de l'argent créent une déconnexion entre les parents et les enfants à tel point que les parents ne prennent plus conscience de ce qu'il faudrait faire en période de vacances. Voilà pourquoi je dis souvent, éduquer les enfants c'est bien, mais éduquer les parents c'est mieux. Et d'ailleurs, avec NNR, on a un projet qui va intégrer cette variable de manière très importante. Vous voulez éduquer les parents? Oui, parce que les parents vont éduquer les enfants. Pour enseigner, il faut connaître. Tout mais pour fait. Éduquer, il faut l'être. Donc si vous n'êtes pas éduqué, vous ne pouvez pas éduquer. Tandis que pour enseigner, vous allez mal éduquer. Voilà. Pour enseigner, il faut juste savoir et retransmettre. Alors, ce que moi je suggère, c'est l'occasion pour moi de pousser un cri. Parce que j'ai demandé depuis 3 mois à ce qu'on me trouve à Yaoundé un club de théâtre pour mon fils qui grandit déjà. Parce que justement, qu'est-ce que moi je pense? Dans la période de vacances, il faut scinder le temps.
L'activité intellectuelle sèche, celle qu'on fait à l'école, doit être en berne. En théâtre, vous n'avez pas trouvé? J'en ai pas trouvé. On m'a dit qu'il y avait un Titi Garage, j'ai envoyé quelqu'un regarder, il m'a dit qu'il n'a pas trouvé. Mais pas donc, totalement en berne. Bon, je vais te mettre pas en pas totalement en berne. C'est ce que j'ai dit, elle doit être relativisée, réduite. Donc, pourquoi? Il faut intéresser l'enfant et lui affecter d'autres systèmes de compétences. Emmener l'enfant, je l'ai souvent dit ici, à la lecture. Ouais. Parce que la connaissance vient de la lecture. Il y a des enfants, je dis, qui ne savent même pas lire. Ils ont entre autres. Parfait, ici, c'est pas une insulte. Hein. Durant votre mois de suspension, on a eu d'autres présentateurs de l'émission. Tout à fait. Mais la qualité de la lecture de Parfait Haïti est particulière. Monsieur Emmett ne me démentira pas sur le sujet. Bon, disons, enfin, passons. C'est pas lui qui a fait ça, c'est Monsieur Etoua Evariste. Bon, Monsieur Etoua Evariste, sûrement son papa. Oui. Où est-ce que je veux dire? Donc, enseignez à vos enfants le système de lecture, le système de compétitivité. Ils doivent faire le sport, la musique, le cinéma, le théâtre, en proportion réduite, parce que c'est des lieux dans lesquels parfois trop de choses sales se passent. Donc vous restez quand même vigilant de tout ce qui s'y passe. Prenez du temps pour les accompagner et les ramener. Surtout, l'école est un lieu dans lequel les contre-valeurs circulent énormément. Vous éduquez votre enfant à la maison. À l'école, le système est cosmopolite. Les enfants viennent d'ailleurs avec d'autres éducations. Vous avez l'obligation durant la période de vacances de purger en votre enfant tout ce qu'il a accumulé de sale à l'école. La drogue, les systèmes de pornographie, les mélanges de toutes sortes. Et là, vous le faites à travers une intense activité de transmission des valeurs. Personnellement, moi, je le fais 5-6 heures sur 24 avec mon fils là. Il me regarde sûrement. Vous avez beaucoup de temps. Je fais l'effort. Je fais l'effort de me libérer du cabinet à 15-16 heures. Et quand j'arrive à la maison à 17 heures, on part. C'est parce que vous ne buvez pas. Parce que quand on part du cabinet, on s'arrête d'abord quelque part pour boire. C'est obligatoire. Mais signe, il me détourne souvent pour m'emmener un peu et boire un jus. Même quand je rentre à 20 heures, vous rattrapez. Je fais l'effort pendant une heure de lui enseigner des choses profondes, parce qu'aujourd'hui, les contre-valeurs pullulent avec les LGBT et le reste. Le parent a donc pour mission durant les vacances de préparer l'enfant à affronter un environnement dans lequel il aura des contre-valeurs qu'il va recevoir et à les repousser par les valeurs qu'il aura acquises à la maison. C'est très important de le dire. Merci beaucoup. Donc, au-delà de ce que je disais, c'est-à-dire lecture, cinéma, culture, pour éveiller l'esprit et laisser libre cours à l'imagination, il faut également tout faire pour réduire l'impact des réseaux sociaux qui atrophient le cerveau. Je voulais justement en parler en posant la question à Pierre Blériot. Nous sommes là dans un exercice pas du tout facile. C'est lui qui consiste à ce que nos enfants, nos petits frères puissent passer des vacances sans déviance. Maintenant, avec ce que nous appelons là les réseaux sociaux, avec la télévision et tous ces autres vecteurs de messages, est-ce que c'est encore évident de faire en sorte que les enfants puissent passer des vacances sans déviance? C'est évident, mais... je suis carrément sûr que ce que je vais dire va choquer les parents. Mais bon, en fait, je ne me soucie pas beaucoup de l'effet quand ça choque. Nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a reçu. Beaucoup de parents, beaucoup d'êtres humains souhaitent forger de bonnes personnes sans se poser la question de savoir si eux-mêmes sont de bonnes personnes. C'est très important. Vous savez, Bernardo m'a rendu un hommage, là, il l'a fait souvent, je passe souvent sans maudire. Mais je veux dire quelque chose là-dessus. Je parle à la télé, je me présente comme un modèle. Si dans ma vie au quotidien, je vis avec Bernardo, il ne voit pas le modèle, il va dire que Niemek bavarde à la télé. Et que c'est un comédien. C'est un comédien. Vous me rendez souvent hommage. Les enfants retiennent plus ce qu'ils voient que ce qu'on leur dit. Qui êtes-vous? C'est ce que vos enfants copient. Pas ce que vous leur dites de faire ou de ne pas faire. Vous mentez, vos enfants vous suivent mentir. Vous volez, vous attrapez la voisine quand maman n'est pas là, vous amenez à la maison, comme l'autre monsieur s'est fait attraper aussi par la maman de l'autre. Vous rentrez dans des états d'ébriété très avancés. Vous insultez les voisins. Vous insultez même leur maman devant eux. Vous insultez leur maman. Vous giflez leur maman. Et vous avez des moments pendant lesquels vous leur transmettez un système de valeurs. Non. Vos enfants
pour les plus chanceux, vont s'inscrire en opposition de phase avec vous, les chanceux. Mais les enfants normaux vont vous reproduire. Oui. Je dis les plus chanceux, s'il y en a, vont dire que je serai le contraire de papa. Et les normaux vont vous reproduire. Donc commençons d'abord par nous poser des questions sur nous-mêmes, sans nous cacher. Deuxième chose, vacances sans déviance. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui, Niemeke, Parfait, ici, Basson et autres, parce que nous n'avons pas fait de déviance. Pas du tout. Absolument pas. Dans cette vie, si vous êtes tombé avec le mauvais vin, les seigneurs ne changeront rien. Seigneur avec S-A-I, sur la qualité de votre vin. Moi, j'ai fait beaucoup de déviance. Mais quand vous avez la main de l'Éternel sur vous, vous vous rattrapez en fin de compte. Ce n'est pas pour dire aux jeunes de faire des déviances. Quelquefois, vous pouvez apprendre des déviances. Les malchanceux, ils restent souvent. Des fois, quand je regarde mon parcours, je regarde derrière, je dis, eh, mais Dieu t'a vraiment sauvé. Hein? Parce que tu aurais pu y rester. Je veux dire aux parents qu'ils doivent avoir une bonne aura pour que leurs enfants soient protégés, même dans les mauvais milieux. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne jamais penser du mal de l'enfant d'autrui. Ne jamais vous venger du mal que les autres vous font. La nature protège vos enfants, même lorsqu'ils ont fait du mal. Mais je vous prends un cas simple. Vous êtes victime d'un coup de vol et vous allez tuer votre voleur. Mais la nature va s'arranger pour que celui à qui votre enfant pourra voler un jour ait l'idée de le tuer aussi. Tuer. Vous voyez, il faut suffisamment installer le bien autour de soi et dans son âme. Pour, attendez, la Bible dit, je punis l'iniquité des pères sur les fils. Mais l'inverse, c'est qu'il couvre de bénédictions des milliers de générations. Donc la meilleure chose pour nos enfants, c'est que nous, parents, nous nous sacrifions, quand nous sommes devenus parents, à être de bonnes personnes. Et ça va plus loin, jusqu'à la renommée. Et on chutera par là. Parfois, ici, on prendra le petit Atango quelque part au travail parce que son père avait une bonne renommée. Il y a des gens, dès qu'on entend le nom de ton père, même si toi-même tu es bon, on a envie de te faire la peau. On va te faire la peau. Je vais m'arrêter. Merci beaucoup pour ces paroles fortes. Lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour Parfait. Les hommes en tenue sont des bons jouisseurs, des femmes d'autrui. Yes. Peut-être c'est le retour à l'officier. Il connaît le film Tara. Incroyable. Sans pitié. Pourquoi vous êtes comme ça? On te dit que quelqu'un souffre. Toi, tu viens seulement encore l'enfoncer. Lisons un autre message. Bonjour, mon copain liste à Radio Cheikh Anta Diop. Parfait ici. Vous me faites beaucoup agréablement rire ce matin. Ce haut gradé a un grand destin national que tous les Camerounaises et Camerounais doivent suivre. Je suis le révérend pasteur Léonard Seyi à Mossomon. Oui, bonjour révérend pasteur. Autre message ce jour, bonjour Perfecto. Merci pour ce que vous faites chaque matin et je salue la pertinence et surtout l'intelligence dans l'analyse de votre invité et Bolekem Jean-Paul que je salue en passant et surtout à l'infatigable monsieur Niemek Samuel Alain Bidon depuis Efoulane à Yaoundé. Autre message, bonjour Perfecto, merci pour la bonne humeur que vous nous procurez chaque matin. Roméo de Meilleux Centre, le plus beau village du sud. Incroyable, je connais Meilleux Centre, c'est la route qui part à Kiossi. Bonjour à vous, félicitations à tout le plateau, particulièrement à Jean-Paul pour ses interventions pertinentes. C'est Rosine Laure à partir de Yaoundé. Vous connaissez Rosine Laure? Oui. Ah d'accord, c'est une sœur. Une sœur en Christ? Non, une sœur du village. Une sœur du village. Elle est mariée. Sœur de sang. Elle n'est pas mariée. Papa Bernardo, tu veux savoir. Parfait, ici, pourquoi vous posez la question à l'antenne de policier? Votre père était policier, pas vous? Non, mon père n'a jamais été policier. Ah, il n'est pas policier. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Autre, Rosine leur continue. Elle dit, pour la dame qui a trompé son mari, qu'elle trouve la solution pour se faire pardonner. Mais vraiment, qu'elle change. Parce qu'elle a fait... parce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait est méchant.
Autre message ce jour, on va prendre peut-être deux ou trois dernières. Hein. Plus de messages comme d'habitude. Bonjour Perfecto. La première déviance des vacances, c'est justement les cours de vacances organisés par les promoteurs des établissements privés. Voilà la première chose à combattre. Les enfants ne peuvent pas éternellement faire l'école. Ce sont des automates qu'on fabrique. C'est bienvenu des Kounous. Vous êtes d'accord, monsieur le pédagogue? Je suis entièrement d'accord avec elle. C'est une grosse déviance. D'accord. Comme nous l'avons dit sur le plateau, comme a dit Bernardo, en fait, les vacances, c'est un moment de rattrapage. Même sur le plan scolaire, c'est-à-dire les activités scolaires sont en berne, on essaie de voir ce qui n'a pas marché, on essaie de remonter par la cour de rattrapage. Les enfants qui n'arrivaient pas à se lever tôt le matin, on les habitue à se lever tôt. Donc on fait des rattrapages, on ne peut pas recommencer encore avec les cours de... Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour les vacances aussi, c'est le repos. Donc c'est la première grosse déviance. Et vous voyez, les parents, comme moi je parle à la notion de responsabilité des parents, les parents tombent dans ce piège. Il croit que l'enfant doit apprendre toute sa vie. Non. Ce moment de rattrapage, et c'est là le rôle. C'est pour ça que j'admire l'attitude de Bernardo qui dit il prend du temps pour son enfant chaque jour. Et il faut trouver ce temps pendant les vacances. Vous ne pouvez pas le trouver pendant les classes parce que les enseignants font ce qu'ils font. Mais pendant les vacances, il faut être très regardant pour essayer de régler cet homme de choses. C'est ça le plus important. Et c'est ça les vacances. Très bien. Moi, Pierre Blériot. En tant que pédagogue, je m'oppose en partie à mon collègue. En partie. Si nos élèves sont à la ressemblance des fonctionnaires camerounais, c'est-à-dire se reposent pendant le temps de travail. Donc pendant qu'il y a des cours, ils se reposent aussi. Ils n'ont pas le droit aux vacances. Parce qu'il y a des enfants qui se reposent pendant l'école. Non, mais lui, il passe son temps. On peut le rattraper. Non, il passe son temps. Tu ne peux pas dire qu'il étudiait. C'est-à-dire qu'il passe son temps à se reposer. Merci. Quand le moment du repos des autres arrive, lui doit aller à l'école. Nous allons lire un autre message. Bonjour, Perfecto. Et nous sommes là au plus 39. Hein. C'est l'Italie. Bonjour, dans Perfecto et au panel. C'est dur de savoir que Bernardo n'a pas. Quoi? N'a pas. Dans son cœur, mais seulement son oncle. Concernant la nouvelle, ils sont très gentils en considérant Yaoundé comme une ville. C'est plutôt un grand et sale village. Pour la dénonciation, Cicero gradé a des enfants avec cette dame qu'il regarde la plus gentille et jolie de ses éléments ou des très braves et jolies filles comme Olivia pour remplacer cette dame impure. Lorsqu'une épouse fait ce qu'elle a fait, elle n'en est plus une. Cette dame ne doit plus entrer dans cette maison, sinon c'est le militaire qui dorénavant sera en danger. Merci. Et depuis, Papa, ici, permettez. Oui, Bernardo. On ne peut pas donner caution à ce genre de discours. Mm. On ne peut pas encourager la justification d'une immoralité par une autre. Nous, les hommes, souvent aussi, nous sommes infidèles et nos femmes nous pardonnent. Je n'applaudis pas ce qu'elle a fait. C'est condamnable, il faut le dire. Mais si ce monsieur peut pardonner à son épouse, qu'on l'accompagne à le faire. Aller prendre la jeune collègue, c'est dans quel objectif? Non, mais toi, tu as un problème avec la jeune collègue qu'on pourrait prendre. Non. J'ai un problème avec la vision de ce qu'il faut absolument. D'accord. On va lire notre message. Hein. Bonjour, Big Perfecto. Très belle émission. Nous nous en délectons. Merci à vous. C'est Eric depuis Kondengui. Je vous amène au 226. Burkina Faso. C'est le pays des hommes intègres. Le Burkina Faso. Oui, oui, Perfecto. Oui, Basson, pourquoi tu m'as fait ça? Basson, au moment où je voulais t'envoyer mon message de dénonciation, tu viens de me dévancer. Néanmoins, je vous demande de m'aider. Mon voisin est sergent chef. Sa femme porte très souvent des mini-jupes. Il a utilisé une autre expression. Incroyable. Je ne sais pas s'il doit dire ça. Disons que sa femme porte souvent des sous-vêtements bizarres. Et moi, je n'aime pas ça. Comment faire pour dire cela au sergent-chef? Il est très nerveux. C'est Paul depuis Ouaga. Paul, prends ton courage. Maintenant, si ça, les enfants du Cameroun, c'est ça. C'est ton problème. Il n'a rien à dire au sergent. Non, il a dit. Il a quelque chose à dire, Bernardo. Si votre femme fait de la provocation à votre insu, vous savez que le chien ne mangeait pas les lézards. Mais par famine et par habitude, le lézard ne faisait que tourner là. Finalement, le chien l'a mangé.
Même le porc, même. Voilà. Ne mangez pas le même pâte. Voilà une femme qui fait de la provocation à ciel ouvert. Et son mari encourage même. Parce que vous, les hommes, il faut veiller sur le vestimentaire de vos épouses. Il y a des tenues pour la maison, à l'intérieur de la maison. Mais les petites tenues, ce n'est pas pour se balader hors du camp et montrer, non. Salut le plateau, vacances sans déviance. Que ta femme dans sa vie, mal. Vacances sans déviance, c'est d'envoyer les enfants au village cueillir du vin, criser les rats, transporter les récoltes du champ pour le village. C'est Paul depuis Ouaga qui complétait son message. Hein? Un dernier message, bonjour parfait, et à tout ton panel. Pour la dénonciation de ce matin, le militaire victime de cette situation est un modèle. L'individu qui a posé cet acte est un suicidaire. Il est à la recherche de quelqu'un qui peut le tuer. C'est Hélène Deniga. Hélène pense également que le militaire doit chasser cette femme. Parfait, c'est sur la question de Paul de Ouagadougou. Oui. Je me suis dit, dit quelque chose, forcément je vais respecter, mais je ne, bon, les éducations diffèrent. Je parlais avec mon fils hier soir, je lui disais, oh, on vit dans un espace où il y a plusieurs personnes. Je lui dis, tu vois la voisine d'à côté, tu sais comment elle s'appelle? Il me dit non. Je lui ai dit, nous, on ne parle pas des choses des gens. Ça veut dire que si la voisine provoque, s'habille comme elle veut, je ne donne pas caution à son abonnement. Si la voisine s'habille de manière légère, ça va quand même troubler l'équilibre. Sauf que ça, en allant dire à son mari, à la pudeur. En allant dire à son mari peut demander que qu'est-ce que tu regardes derrière. Bernardo, ne faisons pas comme si nous sommes impassibles. Si. Voilà une femme, tu ne connais même pas comment son postérieur se présente. Qui s'habille comme Paul a dit là. Oui. Bon, qui ne fait que tourner là devant Paul. Oui. C'est parce que Paul évite une autre dénonciation du genre. Il est allé avec la femme du sergent chef. Il veut éviter la dénonciation. Mais sauf que, hein, en le disant, je pense humblement, au sergent chef, il peut s'attirer d'autres problèmes. Quel problème? Parce que le sergent chef. Non, par exemple, le monsieur peut lui dire. Pourquoi tu regardes ma femme? Mais c'est ce que ma femme a fait. Dans le ciel, avec Dieu, c'est un chef au Burkina Faso. Revenons à nos choses. Je passe la parole à Jean-Paul Ebolekem. Nous n'avons même plus beaucoup de temps. Vous aurez presque 30 secondes. Parlant des déviances, l'une des plus grandes déviances qui guettent habituellement les vacanciers, au Cameroun et même ailleurs, hein, c'est parfois des rapports sexuels non contrôlés, des rapports sexuels qui parfois apportent des dangers énormes. Un mot à l'endroit des vacanciers sur cet aspect précis. Ah, je dirais qu'il faut éviter de se mettre en situation délicate. Hein. Il faut pas croire que c'est parce qu'on est en vacances qu'on peut le faire. Et lorsqu'on est en classe, on ne doit pas le faire. Donc on ne dise pas que pendant les vacances, ça doit faire fort. Non, ce n'est pas quelque chose qui doit être privilégié parce que nous sommes en vacances. Ça doit être les mêmes valeurs. Et puis cette période de vacances, il y en a beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux, comme je disais, qui regardent n'importe quoi. Essayez de trouver aussi des contenus qui sont utiles. Très bien. Voilà. Patrice Soroc, on doit éviter des grossesses précoces pendant la période des vacances. Pendant la période des vacances, nous devons jouer le même rôle que l'enseignant jouait pendant les classes. L'enseignant était là tous les jours. Le parent doit être proche de ses enfants pendant les vacances, échanger avec eux. Parce qu'en parlant des grossesses précoces, c'est une question de sensibilisation des enfants. Alors il faut être là tout le temps pour échanger, pour discuter avec ses enfants, comme fait Bernardo avec son fils. Il faut le faire tous les jours et ça va impacter. Donc c'est pour limiter la casse. Alors lorsqu'on n'est pas proche, comme disait le consultant, vous rentrez chaque soir à 23h. Étant sous. Étant à un état d'ébriété. Mais vous n'allez pas contrôler vos enfants. Il faut être là. L'enseignant a fait son travail pendant 9 mois. Vous avez 2 mois. Faites le même travail, soyez proche d'eux, échangez avec eux, parce que ce que faisait l'ancien en classe, non seulement c'était de dispenser des cours, parfois c'est pour donner des conseils à ses enfants. Donc il faut donc jouer le même rôle pendant les vacances. Et c'est ça donc qui fait problème chez nous aujourd'hui. Les parents s'éloignent un peu des enfants. C'est compris. Et on se retrouve dans... Pierre Blériot, l'un des plus grands dangers en période de vacances, c'est justement que ces jeunes hommes et ces jeunes filles puissent avoir leur premier rapport dans des conditions par moments terribles, avec des conséquences que nous maîtrisons. Ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Ils veulent déjà avoir leur premier rapport. Et habituellement, c'est pendant les périodes de vacances. Que faut-il faire pour éviter cette situation, Pierre Blériot? Il faut retarder pour la jeune fille au maximum la période où vous aurez votre premier rapport.
Vous avez toute la vie pour avoir les rapports. Vous voyez, quand vous avez 35 ans et que vous avez commencé à 13 ans, ça vous allez bien fatigué. 22 ans d'expérience, c'est suffisant pour aller en retraite. Donc, il faut commencer tard. Et puis, il faut prendre des conseils auprès des aînés. Les jeunes garçons qui vous promettent ci ou ça pour vous enlever votre virginité sont souvent des menteurs. Et le plus beau cadeau qu'une fille pourrait offrir, une femme pourrait offrir à son futur mari, c'est sa virginité. Les femmes de maintenant. Si vous ne pouvez pas offrir votre virginité à votre mari, c'est le plus beau cadeau. Si, c'est le plus beau. Si vous ne pouvez pas. Il y a quand même encore des femmes qui offrent cette virginité. Si vous ne pouvez pas lui offrir la virginité, ne lui offrez quand même pas une situation de retraite. Encore épave. Une situation de retraite. Nous sommes arrivés presque au terme de ce programme. Merci à Patrice qui était là ce matin. Merci à Pierre Blériot, merci à Jean-Paul, merci à Bernardo. Nous vous donnons rendez-vous demain à 10h. Mais en attendant, dans 8 minutes exactement, vous aurez le journal de la mi-journée. À 19h ce soir, journal en anglais. 20h, journal en français. À 21h, ne ratez pas le programme de sport, un débat de sport intitulé Afisport avec Mister Bala. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soir à partir de 22h30. Mais je vous suggère tout humblement, dans exactement 40 minutes, les Amazones. Il s'agit des plus belles femmes de la Terre. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?